Bonjour les amis, on est en direct pour cette dernière journée de stage. Bonjour mon cher David. Bonjour mon cher Balthazar, comment tu vas Oh, aujourd'hui? je vais bien et tu es beau avec ce bleu qui te va Eh oui, ravir. le bleu parce qu'apparemment il Eh y a un petit oui. match de rugby. Allez les Oui, bleus! il y aurait des petites dédicaces qui seraient données à l'équipe de France, France bien sûr. contre le Pays de Galles ou Tout à l'Australie ou fait, tout le... à Enfin voilà. fait. Et on regarde pas le match en même temps, on fait des maths là. Non, 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 c'est interdit le double screen, même si la France a mis une rouste à l'Angleterre, on s'en souvient bien, on s'en souvient très bien. Ah! Un Ah, petit bonjour. talkie-walkie, ça c'est sympa, ça, les petits talkie-walkie. Hop, c'est fini. Alors, j'espère que vous êtes chaud pour cette dernière journée de stage, et on a décidé que vu que c'était le dernier, on allait faire du full randomisé. Autrement dit, moi je vais faire des exercices, et vous, vous aurez pas les mêmes valeurs que moi dans l'exercice, mais la méthode, ça va être exactement la même. Donc on va d'abord se concerter sur la méthode et ensuite on va faire l'exercice. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bah, comme David. ça, vous êtes obligé de faire vos calculs. Et vous ne serez pas dans le côté passif, vous Oui, serez voilà, vous n'allez actif. pas nous regarder comme des bovins sur le bord de la route, hein? Hein? Qui Hein? regarde le train passer? Tout à fait, David, Je vous vois non? très bien l'image. Non, c'est de la pédagogie active, les amis, Eh active. oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat, David? Est-ce qu'il y a des... Bah, Comment vont les gens? Est-ce que les comment gens... allez-vous? Bah là, Est-ce il que y a des les gens saluts, il y a sont des comment contents? ça va là, il y a des oh! Ah ouais? Je sais pas ce que vous voulez dire. Le goat. Là, je suis chaud pour la géo. Ça, c'est notre petit rage. Ça, ah, c'est rage! Rage est toujours là. Ah, je croyais qu'il disait la géographie. J'étais là, Oui, ben c'est bien, la c'est super, tu géographie. t'es trompé de Mais peut-être chaîne. qu'il parle de Tu la géographie, t'es hein. trompé de chaîne. Ok, d'accord, pour la géométrie. Où est-ce qu'est la Nouvelle-Zélande? Peut-être qui va tomber au bac? Peut-être, David, Ou pas du peut-être. tout? Si c'est une génération que je ne comprends pas complètement, David, hein. Moi-même, hein. Non, mais Moi-même, je pense qu'il parlait de la je géométrie dans comprends. l'espace, Très bien. clairement. Alors ça tombe bien parce que là, on a bossé d'une manière telle qu'on vous a découpé en gros un sujet de bac de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble toutes les petites compétences qui vont ensemble. Et si on met tous les exercices, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 ensemble, ça fait probablement le sujet que vous aurez. Donc on va calculer des équations paramétriques de droite, on va calculer des équations cartésiennes, on va calculer des longueurs de côtés, on va calculer des intersections et enfin on va utiliser la formule que si vous avez déjà bossé un tout petit peu, vous la connaissez, un tiers de la base fois la hauteur. Je crois que c'est pour un volume. C'est le volume d'un tétraèdre, David. Ouais, C'est-à-dire sur... une pyramide à base triangulaire. triangulaire. Alors attention au sujet des pyramides. J'essaie de faire des... Une pyramide, c'est pas forcément un truc qui ressemble au machin de Khéops, là. Ça, c'est une belle pyramide, quoi. C'est une Ouais. pyramide bien faite. Une base carrée? Ouais, c'est... Ah, en plus, c'est une base carrée. Oui, c'est une base Ouais, tout carrée. à fait. Donc ça n'a rien à voir avec ça. On est bien. Alors on attaque tout de suite avec un petit rappel de cours et un petit dessin, parce que là pour le coup la géométrie c'est le moment ou jamais de se faire un petit repère, David, tout simplement. Donc moi je commence en faisant un petit repère, donc attention, on n'est plus en première, donc dorénavant vos repères ils ont trois dimensions. Une en X, une en Y, une en Z. On les dessine comme ça Je c'est crois que c'est X. abscisse, ordonnée et Et côte. la côte ou Ou l'altitude, quand on est plutôt altitude. physicien, un big up à tous ceux qui bouffent du sujet de physique à côté pour essayer de rester en place. Donc, on veut l'équation d'un plan. Donc, moi, je vous dessine un plan au hasard. Donc, prenons par exemple ce plan-là, là. Tac, ce plan ici que je vais colorier en bleu. Ce plan-là, pour le mettre en équation, il me faut exactement deux choses, David. Je t'écoute. La première chose. Pour Ouais, merci, David. Ça, on est là pour quoi? c'est. Non, j'étais à fond sur le Ouais, c'est chat. ça le chat, le chat. Alors pour Donc, faire un plan, l'équation cartésienne d'un plan, alors il nous David. faut, je crois, un vecteur normal. Oui, tout à fait, David. Tu peux préciser normal, s'il te plaît, David? Alors normal, c'est quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours et Non, David, un vecteur pas normal, un vecteur, un un vecteur, un normal. vecteur. Vecteur normal au plan, c'est quelque chose qui est orthogonal Oui, tout à fait, à David. et le Tout à plan. fait. Donc ce vecteur, on va lui donner un petit nom, n. Petite n, c'est généralement ce qu'on donne N pour comme normal. ninja. Ah non, normal. Normal, ouais. Putain, l'humour, l'humour toujours. J'ai envie de faire une référence à un certain youtubeur, Oui. mais je sais pas si Ah, je connais c'est pas. encore éthique de le faire. Ah, je connais pas, Tu connais je pensais que tu parlais pas. d'un vieux film de taxi, Ouais. là, tu sais, Ninja. Ninja! Ok, Voilà. on n'a pas les mêmes Ouais, goûts. voilà, c'est bien. Donc, David, un vecteur normal, et puis quoi d'autre? Allez, on les perd pas, on les perd pas, on est Un sérieux petit aujourd'hui. point qui appartient au plan, Un petit point qui peut-être? appartient au plan, par exemple. Ben, par exemple, celui-là, le point A, là, que je pourrais mettre Ouais, là. c'est Je vais lui peut-être un donner B. une première coordonnée, une deuxième et une troisième, vu qu'on est dans l'espace. Mais attention, effectivement, David, comme tu le dis si bien, ça aurait pu Ou être... la XXB, Ouais, YB. On est parti un peu en freestyle. ouais. Oh, ça commence bien. Je sens que ce dernier live, ça va être coton. Donc, c'est un point A, mais ça aurait pu être un point B, ça aurait pu être un point C, peu importe, n'importe lequel des points que vous avez sur votre plan. Une fois qu'on a tout ça,
on se dit tranquillement, ben, l'équation de mon plan, donc l'équation de ce plan, là je vous fais un beau P, c'est je prends les trois coefficients de mon vecteur, donc A, B et C, je colle du X, du Y, du Z, je mets une petite somme, bam, 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 je rajoute un D que je ne connais pas, et je dis que ça fait 0. Donc à ce stade-là, c'est cool parce que vous avez déjà A, B et C. Donc votre bordel ressemble plutôt à un truc genre 3x plus 2y moins 3z plus d égale 0. Donc la dernière chose qui vous manque pour trouver l'équation, c'est de remplacer ce d. Pour remplacer ce d, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les coordonnées du point de passage, donc les coordonnées xa, ya, hop là, c'est à l'homme, et za, et on va les mettre à l'intérieur de notre équation. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'une fois que j'ai remplacé x, y et z par xa, ya, za, qui sont des nombres que je cotais, je me retrouve avec un truc du genre 3 fois 2 plus 2 fois 7 fois 7 moins 3 fois 1 plus d égale 0. Et du coup, je peux trouver la valeur de d en prenant tout ça et en l'envoyant de l'autre côté de l'équation, tout à fait, une David. Une équation, une inconnue, ça, on sait faire, ça, généralement. Exactement, exactement, exactement. Du coup, ça, c'est ce qui se passe normalement. Sauf que cet exercice, il vous met direct mal. Parce que c'est pas on vous donne un vecteur normal et un point de passage et on vous demande de trouver l'équation. Ça, je suis quasiment sûr que vous savez tous le faire. On fait l'inverse. On vous dit, je vous donne une équation, trouvez le vecteur normal. Mais, les gars, c'est encore plus simple. Si l'équation, on a dit que ce qu'il y avait devant l'x, ce qu'il y avait devant l'y et ce qu'il y avait devant le z, c'était les coordonnées du vecteur. C'était les coordonnées du vecteur normal. Là, devant mon x, devant mon y et devant mon z, j'ai des chiffres. J'ai moins 5, j'ai 7 et j'ai 2. Donc, a priori, les coordonnées du vecteur normal, d'un des vecteurs normaux en tout cas, ça pourrait être moins 5, 7 et 2. Mais attention, si ce vecteur-là, mon vecteur L, il est normal, regardez, j'en dessine un autre. Regardez, posez votre stylo. Là, je dessine un autre vecteur. Celui-là aussi, wow. C'était presque, hein. Celui-là aussi, il est normal. Et regardez, j'en dessine un autre. Merde, j'en dessine un autre. Je sais, ah, il va partir dans l'autre sens. Celui-là aussi, il est normal. Le mot qu'on cherche, c'est collinaire. Collinaire, ouais. N'importe quel vecteur collinaire à celui-là, il est aussi collinaire à n, il est aussi normal au plan. Du coup, collinaire, là, je reviens sur la page que vous avez. Avoir la même direction. Bien sûr, collinaire qui ont même direction. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est même ça. Direction. C'est un petit peu différent que parallèle, parce que parallèle, c'est plus des objets, des figures. Tout à fait, David. Et avec les vecteurs, on va dire collinaires. Tout à fait. Du coup, si je vais sur galilée.ac et que je regarde l'exercice 1, donc vous avez certainement des nombres comme ça. Les nombres que vous pouvez mettre, c'est moins 6, 5 et moins 5, ça marcherait. Genre, si je m'entraîne, si je mets moins 6, si je mets 5, 5 et si je mets moins 5. Moins 5, tout à fait, David, et que je vérifie ça. J'obtiens un truc juste, on est content, mais regardez, si je recommence, quel bijou de technologie. Le bijou, il y a quelqu'un qui a dit ça en commentaire ce matin, c'est un bijou de technologie. C'est pas parce qu'on s'aime beaucoup. C'est pas du tout parce qu'on est content qu'il y a des gens qui kiffent un peu cette sophistication. Mais regardez, si je recommence cette fois-ci, je vais mettre deux fois ce chiffre, parce que si je prends deux fois ce chiffre, c'est un autre vecteur qui est collinaire. Donc 2 fois 3, 6, 2 fois moins 9, moins 18, et 2 fois moins 1. Moins 2, putain, j'ai eu un espèce de doute. Pourquoi moins 1? 2 fois, ouais, 4, 2 fois 2, 4. Oui, parce qu'il y a le hint, tu t'es fait avoir par le hint. Moi, je me suis fait avoir par le hint. Hop, bim! Ouais, ça marche! Et ben voilà, c'est terminé, ça marche aussi, vous avez compris. On prend ce qu'il y a devant x, y et z, et ça nous donne directement le vecteur normal. Autrement dit, il y a une infinité de solutions pour ces réponses, hein, finalement. Oui, c'est tout ce qui est proportionnel. Oui, tout à fait, David. Ah, ce vecteur. Exercice 2, ce coup-ci, on va se le faire dans l'autre sens, donc dans le sens que je vous expliquais au début. On vous donne cette fois-ci les coordonnées d'un vecteur normal, on vous donne un point de passage. Là, on va le faire ensemble, mais c'est vraiment parce que je suis cool avec vous et que je pense à tous ceux. Aujourd'hui, j'ai décidé que, vu qu'hier on faisait un peu du hardcore, aujourd'hui, c'est le dernier jour, on va se remonter le moral. Donc, on va se faire kiffer un peu, on va faire des trucs qu'on arrive à faire, vous allez voir comme c'est cool aussi. Ouais. Je m'hydrate parce que j'ai soif. Bah, c'est bien, ça, c'est important, ça pour la santé en plus. Tout ce qui est à base d'eau, c'est plutôt. Tout ce qui est l'hydratation, c'est important. Du coup, cette fois-ci, on vous a donné un point de passage, le point A, et on vous a donné les coordonnées du vecteur normal. Vous savez que les coordonnées du vecteur normal, mon A, mon B et mon C, c'est ce qu'on va retrouver devant X, Y et Z. Donc vous pouvez déjà dire que votre plan, son équation, c'est quelque chose qui vaut 3, donc 3 fois X, plus 9 fois Y, moins 8 fois Z, et là vous allez rajouter ce plus D, égale 0. Tu as apprécié le changement de couleur ? C'est très beau, le D, en tout cas, il sort par rapport à ce qu'il est arrivé comme ça, tac. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça s'appelle le talent à la tablette. Ah, je me suis planté.
Et ben voilà. Et ouais, j'ai pris les coordonnées de A. Mais tiens, j'étais trop concentré sur mon changement de couleur. Ouais. Évidemment, je me suis planté parce que j'ai pris les coordonnées de A. Mais c'est pas du tout A qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur directeur. Donc le vecteur normal du plan. Du coup, c'est ces coordonnées-là que je dois prendre. Donc 9x moins 7y plus 5z plus d égale 0. T'as rechangé de couleur par rapport à ça. Ça, c'est le talent, mon gars. C'est simplement le talent. Du coup, une fois que vous avez fait ça pour trouver la valeur de D, comme, et on va l'écrire tranquillement, le point A, A est sur le plan, ça veut dire que j'ai le droit de remplacer les coordonnées de A à l'intérieur de ce truc-là. Du coup, moi, je vais remplacer les coordonnées de A, c'est-à-dire 3, 9, moins 8 à la place de X, Y, Z. 9 fois 3 plus... Mince, je suis trop concentré. Moins 7 fois 9 plus 5 fois... Oh, c'est pas évident. Moins 8. Moins 8, yes! Ouh, les petites parenthèses, plus c'est bien D ça. Égale 0. 3 fois 9, 27. Je suis d'accord. 7 fois 9, c'est 63. 63. Ah, je devais répondre à... Ah. 5 fois 8. 40. 5 fois moins 8. Moins 40. Magnifique. Plus D. Ça met la pression quand même. Égale 0. 27. Moins 40, moins 13, moins 63, ça wow. me fait moi, moins 76. D. Ah ouais, tu l'as fait vite. Égal hein. 63 plus 27, ça fait. Je te demande une petite vérification à mon partenaire. 80 et 7. Oui, 76. Tout à fait, tout à fait. Du coup, finalement. Est-ce que vous avez 76 aussi dans le chat? Non, certainement pas, vu qu'ils n'ont pas les mêmes exercices que nous. C'est ça qui est beau. Il y a quelqu'un qui avait fait le calcul, 76 par an. C'est Felipe Bundestag. Ah, je sais pas si. Ah ouais, c'est mi-espagnol. Mi-allemand, mi-espagnol. Portugais. Espagnol ou portugo-allemand. Tout ce qui est allemand. Portugo-allemand, simplement. Moi, je suis moi-même niçois allemand, donc. Non, c'était le seul qui avait balancé un petit... Je suis peut-être le seul qui avait le même variant que nous. Tout à fait. Et on l'encadre et on est extrêmement content. Donc vous voyez, là vous avez un peu de plaisir. Normalement, ces trucs-là, franchement, tout le monde y arrive. Hein. Alors, il y en a qui demandent des rédactions type. Bon, ah. Ça manquerait peut-être des équivalences pour passer de peut-être de... Mais sinon, on n'est pas loin du truc-là. On n'a pas besoin de plus. C'est peut-être des équivalences. Donc là, ce qu'on peut dire... Oui, bien sûr, on peut mettre des petites équivalences ici. Ah non, là on n'a pas besoin, mais là... Ouais. Ah voilà. Si, le point A est sur le plan, donc ça veut dire que machin. À part les équivalences, c'est à peu près la rédaction. Si vous faites ça, c'est déjà très bien. Ouais, on peut dire avant, si on veut, le vecteur N. Oui, le on peut faire N. Toujours plus de blabla. Hein. Est normal au plan, est normal. J'adore. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Le vecteur est normal au plan, du coup, on peut remettre ces trucs. Le point A est sur le plan, du coup, on peut, blabla, voilà. Là, les gars, on est sur un truc qui est extrêmement clean. Hein. On est sur une base. Il y en a qui ont profité pour balancer leurs petites origines. Moi, je suis Dijonais andalou. Ah, c'est pas mal. J'ai la région plus andalou. Attends, c'est une région aussi. Je suis Dijonais andalou. Ouais, mais Dijon, c'est une ville, c'est villo-régionnel. Ça me fait penser à la moutarde et un petit peu de flamenco, tu vois. Il y a un truc. Moi, je verrais genre. Il doit être un chorizo avec un petit tas de moutarde à côté. Ah ouais, tu vois. Dipé du chorizo. C'est un type qui doit avoir. Font des cosmos. Il doit y avoir du caractère de feu là-dedans, parce qu'entre le chorizo et la. Voilà. Elles sont un petit peu sur la géométrie. La géométrie, c'est trop, trop bien, David. Moi, j'ai toujours une passion pour la géométrie, depuis toujours. Alors, exercice 3. Bon, là, il y en a qui m'étonnent un peu aussi. Hein. Ah, qu'est-ce que ça m'étonne, quoi? Antarctiquais, algérien. Oh, c'est possible, hein. Antarctique? Il doit bien y avoir 2 ou 3 pélos qui habitent là-bas, non? Tu penses qu'il est un fils de manchot et genre, Inuito marocain, quoi. Ah, ouais. Rajilé russe, ça, c'est intéressant. Ah, Rajilé russe. Ah. Russo-russe ou russo-russo bah, il a dit je suis russe, moi, je pense qu'il est russe. Hein. Ouais, mais c'est comme moi quand je dis allemand, je suis moitié allemand, tu vois. Je suis pas vraiment allemand, quoi. On n'est pas là, David, pour discuter de ce genre de truc. Mais alors, on s'est permis. Ah, ça, c'est alors. Bien, ça. Ah, là, ça, c'est un exercice bien. Perpendiculaire au plan P, passant par B, dont un vecteur normal est assez... On est sur l'exercice 3, c'est ça? Oui, il y en a qui demandent des exercices plus compliqués. Ceux qui, pour qui ça va passer ouais, vite, allez faire le 4 et le 5. Hein. Faites le 5, ça, pour qui ça va passer vite. Franchement, le 5 est dur. Hein. Alors le 3, on est sur du machin, on a 3 points. Le 3, on est sur du faisable. Représentation paramétrique, ouais, voilà. Ouais, non, le 3, il a commencé à avoir un peu de difficulté. 4 et 5, le 4, le 5. Le 5 et le 5. 5 et 6, il y a des difficultés. Le 6, il est presque un peu hardcore. Franchement, le 6, il est presque un peu hardcore. Ça va un peu vite, le 6, c'est la première question, quoi. Bah, c'est-à-dire que le 6, en fait, il faut vraiment avoir fait ceux d'avant pour. Ouais, la moitié de l'exercice, c'est de répondre à la première question, quoi. C'est ça, David, que c'est ce que tu es prêt à dire.
Du coup, on reste sur le 3, nous. Hein. Bah ouais, allez, sur le 3. C'est parti. Ah non, on a dit qu'on pensait à tous les. Mais on a le temps, on a tous ceux qui étaient un petit peu à la ramasse, finalement, bah, David. C'est un peu ça. La ramasse ou pas forcément la ramasse. Ouais, ou ceux qui ont envie de se faire un peu de plaisir, de plaisir mathématique. Des questions sur le chat? Est-ce que. Non, à part ça, bon, ça faisait des petites blagues de manchots, de mauriciens. Oui, d'accord, très bien. Voilà. Très bien, je continue. De poissons. Je continue. Alors, attends. Le sujet dit que le point B appartient pas. Le plan, mais on dit qu'il appartient à la droite. Point d'interrogation. Alors, est-ce que tu es sur l'exercice 3 ou sur le... Oui, sur l'exercice 3. Non, mais la formulation est chelou. Déterminer la représentation de la droite D, donc c'est une droite qui est perpendiculaire au plan P, passant par B, et dont un vecteur normal est AC. Donc, je pense que le vecteur normal, ce vecteur normal, là, le AC, c'est normal par rapport au plan. Au plan, ouais, je pense. Ok. Et je pense que la droite... Le B, ça correspond à un point de passage pour la droite. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Au plan passant par B. Oui, oui, tout à ouais, fait. Moi, je suis d'accord. C'est comme ça que B qui appartient à droite est normal à... Et là, ça nous permet de régler le problème. Qu'est-ce qu'il y a oui, non, vecteur normal, c'est forcément plan. Non, mais c'est vrai que la formulation n'est pas... La formulation est un petit peu ambiguë, elle fout un peu la merde. Alors, pour l'équation paramétrique d'une droite, donc je reprends encore une fois pour ceux qui ont un petit peu des stress, l'équation paramétrique d'une droite, c'est quasiment la même chose qu'un plan. C'est-à-dire qu'on retrouve parfaitement la philosophie du plan, donc on peut se refaire de nouveau un petit schéma avec trois directions, x, y, quoi, et z. Sauf que ce coup-ci, ce n'est pas l'équation d'un plan qu'on cherche, c'est l'équation d'une droite. L'équation d'une droite, alors là, David, je vais poser la question. Prépare-toi, je te pose une question, David. David, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'équation d'une droite, s'il te plaît? Alors, pour la droite, ce serait plutôt un vecteur directeur. Oui, tout à fait, David. Qui prend la même direction que la droite. On va l'appeler petit d. Et toujours un petit point qui appartient à cette droite. Bien sûr, David. Un petit point de passage. On peut l'appeler A. On va l'appeler A et on va lui donner quand même comme coordonnées. XA, YA, KA, ZA. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'avec ces exercices-là, avec des exercices d'équations paramétriques, vous n'avez même pas une histoire de calcul à faire sur quelle est la valeur de petit d. Parce que là, pour le coup, l'équation paramétrique de la droite, c'est directement, vous ouvriez votre gros cochet là, un joli d, vous mettez x, y, z, égal, vous reprenez votre ABC, A, B, C, vous multipliez tout ça par le paramètre qui vaut t, et vous ajoutez xa, ya, ZA. Et là, vous voyez que contrairement sympa, hein. À ce tableau... J'aime beaucoup. Ouais, mais j'ai mis des couleurs. C'est artistique. Donc j'ai mis des couleurs, donc les gens sont contents, David. Contrairement à là, on n'a pas ce petit dé qui nous embête là. Ça va beaucoup plus vite que ça. Vous voyez ce dé là qu'il a fallu chercher et isoler. Et ici, on ne s'embête pas. On a directement l'équation complète. J'adore. Du coup, dans notre cas... Mais des fois, il faut peut-être aller chercher vous-même ou calculer les vecteurs. On va y arriver. Ça, c'est des exercices un peu plus complets. Dans ce cas-là, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on vous a donné un plan. Donc moi, je vous donne un plan, je vous dessine un plan au pif. Ok. Ce plan-là, oula, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'appeler comment? P. Je vais l'appeler P comme dans l'énoncé. Yes. Ce plan-là, on vous a donné un vecteur normal. Donc vous savez que un vecteur normal est orthogonal. Attends, j'essaie d'avoir du rouge. Est-ce que c'est possible d'avoir du rouge? Oui. C'est un rouge donc, un petit peu rouillé, quoi. Vous savez, oui, il est un peu rouillé, c'est un bordeaux. Vous savez que ce vecteur-là, le vecteur normal au plan P, c'est le vecteur AC. Donc là, j'ai le vecteur AC. Vous cherchez l'équation de la droite qui est perpendiculaire à ce plan et qui passe par un point B qui est ici et dont on vous a donné les coordonnées. Les coordonnées du point B, c'est moins 1, 4, moins 7. Ok. Donc, vous cherchez l'équation de cette droite-là. Là. Celle que je dessine juste ici. Ben, regardez. Moi, je vous ai dit que pour faire l'équation de cette droite, vous aviez besoin de deux choses. Un point de passage. Le point de passage, on l'a, c'est le point B. Et un vecteur directeur. Oui, mais regardez, comme vecteur directeur, comme vecteur qui donne la direction de D, vu qu'elle est perpendiculaire à plan, au plan, pourquoi ne pas prendre juste ce vecteur-là? Ce vecteur-là, il est perpendiculaire au plan, donc il donne aussi la direction de la droite D. Donc, mon point de passage, c'est le point B de coordonnées moins 1, 4, moins 7. Donc, je sais que là, à la place de mes coordonnées de point de passage, je vais mettre moins 1, plus 4, moins 7. Je sais que les coordonnées que je vais retrouver devant x, y et z, c'est celle de AC, donc j'ai juste à calculer les coordonnées de AC. Alors, petit rappel de formule, les coordonnées de AC, c'est toujours la fin moins le début, donc c'est les coordonnées de C moins celle de A. Tout à fait. Moins 8, moins moins 3, ça me fait moins 8 plus 3, moins 5. 3, moins moins 9, comment? Non, c'est bien. C'est pas bien? Non, je faisais la remarque que tu les fais en ligne.
3 plus 9, ouais, je l'ai fait en ligne. Ouais, je l'ai fait en ligne. 3 moins moins 9, ça me fait 3 plus 9, ça me fait 12. Et enfin, 3 moins moins 6, ça me fait 3 plus 6, 9. Attends, ça fait moins 8. Oui, ok, ouais, bah, c'est bon. Ouais. Moins 5, 12, 9. Donc, je sais que dans mon équation, ces nombres-là, ça va être moins 5, 12, 9. Donc, j'ai moins 5, 12 et 9. Et j'ai plus qu'à mettre mon x égale, y égale et z égale, bam, bam. Et je rajoute mon t et l'affaire est dans le sec. Hop. Est-ce qu'il y a des questions, David ? Alors, il y a Raj qui nous a balancé plein de petits trucs assez, mais il n'a pas les mêmes que toi, j'imagine. Non, là, tout est randomisé, Raj. Celui, il avait dû commencer bien avant nous, je pense. Il y a du moins 11, moins 6, 9. Alors, oui, on n'a pas les mêmes exos. Je peux rien vérifier, mon petit Raj. Je suis désolé. Vous faites avec la correction, avec vos valeurs à vous. Oui. Là, il faut suivre juste la méthode. Là, c'est l'esprit. Là, franchement, on peut le faire en même temps. Vous le faites avec vos versions à vous, et puis vous essayez de prendre un maximum de plaisir. Yeah. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Ouais, il dit que il fait le même exo que nous. Et il a pas les mêmes résultats que nous. Alors après, ça dépend, parce que c'est peut-être sur le site, toi, t'avais d'autres valeurs. Attends, je le réactualise. Je le recommence. Exercice 3. 7, moins 7, non, j'ai toujours pas les mêmes. Hein. 7, moins 7, 8. Non, je pense pas, mon rage. Hein. Je pense que si t'as les mêmes valeurs que moi, tu t'es probablement cagué. Je pense que tu t'es probablement cagué. C'est possible que ce soit nous, hein. Ça peut arriver. C'est possible, Raj. Mais moi, je suis plutôt confiant sur mon truc là. Attends, c'est que je le vérifie. Non, mais j'en suis sûr. Allez, ça c'était la question. C'était l'exercice 3. C'est complètement. Ben, on l'a fait. On l'a torché. Hein. Alors, est-ce que Raj, Et j'ai pas fait les exos dans mon coin. Je sais pas ce qu'il me raconte. C'est Raj. Ouais, regarde notre live. Mais complétez-les dans le petit galilée.ac. Hein. Regardez vos formules. Et oui, tout simplement. Il n'y a pas de question de méthode, en fait. Tout ça, c'est clair. Je pense que tout ça, c'est clair. Ouais, j'attends aussi s'il y a des questions un petit peu particulières. Alors, attends, peut-être là. Le vecteur directeur de la droite D et le vecteur normal du plan P. Oui. Tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est pour ça on vous conseille toujours quand vous avez... Excusez-moi. Vous avez des énoncés comme ça où il n'y a pas de figure géométrique, faites-vous des petits schémas comme on a fait. Regardez ce que j'ai fait moi. Direct. Faites un petit plan, faites une petite droite. Moi, franchement, direct, je me suis dit, bon, regardez, j'ai un plan P là, j'ai une droite D, je me suis mis mon vecteur AC, je savais qu'il était normal au plan, je me suis mis mon point B, j'ai dessiné ma droite. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, là, on comprend. C'est beaucoup plus simple à comprendre quand on a tout ça, quoi. Il faut dessiner. Il faut faire des petits schémas. C'est comme un trigo, finalement. C'est comme un trigo en premier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a aussi, oui. Ça change rien si je mets d'abord les valeurs du point et ensuite le vecteur directeur de t. Non, ça change rien du tout. Hein. C'est une somme. Vous pouvez généralement, effectivement, il y en a qui mettent le t à la fin. B égale b plus a. D'ailleurs, le paramètre t. Ouais, tout à fait. J'ai mis t, ouais. Il y en a qui mettent d'autres lettres, des lambda. J'ai opté pour un bon vieux t familial, quoi. Faut pas que ça vous perturbe. On peut l'appeler k, on peut l'appeler x. Enfin voilà. On voit une vite x parce qu'il y a déjà un x ici en général. Voilà. Avançons. Hein. Avançons. Exercice 4. Alors peut-être on leur laisse quelques... Ah, comment on a trouvé A, B et C? Et si on donnait dans l'énoncé? Non, il faut qu'on les calcule. A, B, C en minuscule, donc c'est A, B, C en minuscule, donc c'est les coordonnées... Alors moi je vous rappelle que A, B, C, ouais, c'est ça. A, B, C, c'est les coordonnées d'un vecteur qui dirige la droite. Exactement. Or, nous, on a vu que... C'est du vecteur directeur de la droite. Le vecteur directeur de la droite, on pouvait prendre tout simplement... Le vecteur normal au plan. Et oui, le vecteur AC. Du coup, j'ai calculé les coordonnées de AC en faisant les coordonnées d'un C moins celle de A. Oui, et on est arrivé au bon endroit, tout simplement. C'était la droite qui était perpendiculaire au plan, donc forcément, on pouvait prendre... Voilà. Allez, on est bien ? On est bien, on continue. Alors, calculer des distances. Donc ça serait vraiment dommage de l'oublier, hein, le calcul de distance. Je vous rappelle quelque chose. Allez, on se prend le temps de se faire ça bien. Je fais pareil, un petit dessin. Hop. Donc, admettons que vous vouliez calculer la longueur entre deux points. Donc, je mets au hasard un point A et un point B. Je fais un dessin dans le plan parce que ça sera plus simple pour comprendre que si je faisais un dessin dans l'espace. Donc, admettons qu'on cherche la distance AB que j'ai représentée ici. Tout ce qu'on vous a donné, c'est les coordonnées de B. Donc, B, il a une coordonnée en X, une coordonnée en Y, et A, de même, deux coordonnées, une en X, une en Y. Cette longueur-là, moi, je vais vous dessiner une petite figure.
qu'est-ce que vous reconnaissez si je fais ce triangle-là? Ben, si je fais ce triangle-là, qui a un angle droit ici, je reconnais un bon vieux Pythagore, David. On a un triangle rectangle. Ah, triangle rectangle, Pythagore est toujours là. Hein. Très bien. Il se trouve que dans Pythagore, il dit que le carré de l'hypoténuse, donc le carré de cette longueur, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est la somme de ça et de ça. Or, cette distance-là, elle vaut xb moins xa, donc elle vaut... la différence des coordonnées en x. Plus... au carré. Yb. Moins yk sur la partie au carré. Ordonnée. Et du coup, la longueur de deux points, la longueur entre deux points, c'est racine de racine carré. Xb moins xa fait. Au carré. Parce que pour nous, c'est tout... yb moins yk. Au carré. Au carré. Du coup, en utilisant cette formule-là, que vous devez vous avoir tatoué quelque part, tellement elle est importante, hein, la longueur AB, je vais la calculer très simple. AB, c'est tout simplement racine de la coordonnée en X de B moins celle en X de A, plus la coordonnée en Y de B moins celle en Y de A, plus la coordonnée en Z de B moins celle en Z de A. Donc ça va me faire 2 moins 2 ça c'est au carré, cool, plus moins 2 moins 2 au carré, plus 1 moins 1, ça c'est cool ça. Au carré, voilà, ouais, c'est bon. Super cool. Et on se retrouve avec racine de 2 moins 2, 0, 1 moins 1, 0, moins 2 moins 2, moins 4, moins 4 au carré, 16, racine de 16, 4. Yeah! Ouf, quelqu'un avait le 4 ou le Felipe encore? Ah, c'est encore Felipe? Felipe Bundestag, il est pas là pour rigoler. Felipe. En même temps, là, aujourd'hui, franchement, c'est faisable, les gars. C'est la première fois qu'on vous a mis un truc qui est. Ça, c'est vraiment ce que je pense qu'on peut espérer avoir au bac. Le. De quoi? Ce level-là, là. Celui de l'exercice ça sera 4. Les points, ouais. Ça sera les points, à mon avis, ça sera les points qui sont. Ouais. J'espère. Généralement, c'est un exo, donc puis. Moi, je miserais plutôt sur les exos de fin. Après, au niveau de difficulté, oui. Mais ce qu'on va faire après, c'est qu'on va laisser regarder vite fait le Polynésie pour voir quel a été le... On peut regarder ça. Quel a été le... Tu vois ce que je veux dire? Le sujet de géométrie dans l'espace? Ouais, le sujet de géométrie. Et on va voir si c'est... On va comparer une fois qu'on a fait un petit sondage. On a fait... Ouais, ouais. Ah, ça fait longtemps. Tu as demandé quoi dans le sondage? Est-ce qu'on regarde le sujet de Polynésie? Ah oui, c'est bien. Non, ouais, c'est bien. Vous voulez qu'on reste... Ah ouais, c'est bien. Demande-leur ça. Allez. Demande-leur ça. Je suis d'accord. Alors. Donc, je recommence avec la distance AC. Donc, AC, ça vaut racine de... Allez, avec les C. Donc, 0, moins 2, 4. 0, moins 2, 4. 1, moins 1, 0. Donc, ça fait racine de 8. Racine de 8 et racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Donc, c'est racine de 2 au carré fois 2. Donc, c'est... Je peux sortir mon 2 devant 2 racine de 2. Yes. Et enfin, CB. Celle de B moins celle de C. Donc ça me fait, hop, racine de 2 moins 0, donc 2 au carré, plus moins 2 au carré, bon, je mets un petit moins là, plus 0 au carré, et ça fait... Je t'amuse avec les petits calculs. 2 racine de 2, ouais, bon, je m'occupe un peu, quoi, pendant ce temps-là. AB, 4, AC, 2 racine de 2, CB, 2 racine de 2. Non, ça semble quelque chose... Et alors là, on réfléchit. Petit rappel sur les différents types de triangles. Rajoui là, ouais, AC de racine de 2. Qui c'est qu'il y a d'autres Il y avait un CB, racine de 8. Alors est-ce que Felipe, t'avais la même chose? Ouais, racine de 8, c'est 2 racine de 2. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est pas... Il a juste pas fait sa simplification. Et oui, une petite simplification. Celui qui vient, celui qui a dit ça, là, regarde, je l'ai faite la simplification. Là, quand on passe de racine de 8, on fait apparaître un 4 en disant que c'est racine de 4 fois 2. 4, c'est 2 au carré. Quand j'ai un nombre au carré à l'intérieur d'une racine qui multiplie, je peux prendre ce nombre et je peux le sortir devant, donc ça me fait 2 fois ce qui reste à l'intérieur, c'est-à-dire racine de 2. Super les gars. Très bien, la nature du triangle. Donc on va se dessiner chacun des triangles, et vous allez voir qu'en fait le plus dur à dessiner c'est un triangle quelconque. Donc un triangle rectangle. Triangle rectangle, j'ai juste... Ah ouais, je me commence à faire de la merde, un angle droit. Un triangle équilatéral, bon celui-là, c'est le cool, j'ai 3 côtés de la même longueur. Un triangle isocèle, j'ai 2 côtés. Deux côtés de la même longueur. C'est du fromage. Un petit peu de riz, un petit peu de roquefort. Et un triangle quelconque, c'est ça, c'est chaud à dessiner un triangle rectangle, hein, un triangle quelconque. Donc par exemple celui-là, là, vous voyez, tac. Ouais, c'est plus dur. Voilà. Waouh. Celui-là, il est quelconque. Est-ce qu'on peut appeler ça un triangle? Ouais, mais j'ai pas utilisé la fonction. Ouais. Donc rectangle. Attends, mais t'avais pas ton truc très droit là? Si, mais j'ai complètement oublié que je peux l'utiliser. Ah bah voilà. Équilatéral. Oula. Isocèle. Et lui, il est juste moche, quoi. Moche. Bon, je pense que le rage a trouvé. On n'a pas encore conclu hein, sur ce que c'était. Non, pas encore conclu. Oui, c'est pour ça. Alors,
savoir si les rectangles, c'est un peu plus compliqué que savoir s'il est équilatéral ou isocèle. Équilatéral ou isocèle, c'est une information qui concerne le nombre de côtés similaires qu'on a. Ok ? Équilatéral, trois côtés similaires, enfin trois côtés de même longueur. Isocèle, deux côtés deux de même longueur. Iso. 4 et 2 racines de 2, c'est pas la même chose. Donc je sais déjà qui va pas être équilatéral, pardon. Il va pas être équilatéral. Il est isocèle parce que j'ai deux côtés qui sont de même longueur. La question, c'est que je peux avoir deux familles de triangles isocèles. Les isocèles comme ça. Allez, j'utilise la fonctionnalité tirer une droite. Où j'ai cette longueur-là qui est la même que celle-là. Et j'ai, par exemple, cette isocèle-là. C'est quand même mieux avec l'outil. Ah ouais, c'est quand même plus classe. Hein. C'est beaucoup plus c'est propre. Propre. Bah, tac. C'est propre. Et en plus, j'ai un angle droit. Autrement dit, le fait d'être isocèle ne vous empêche pas d'être aussi il avait souligné, un triangle rectangle. Rage encore ? Ouais. Il est bon cet homme. Il a même répondu là pour l'instant. Il a même répondu ? Ok, très bien. Et du coup, comment est-ce que je vais vérifier qu'il est rectangle ou pas ? Ben, je vais faire la réciproque de ce bon vieux, enfin, Pythagore. Le dieu de tous. Bah, en fait. C'est lui le goat. En géométrie, c'est le truc qu'on voit tout le temps, il est toujours là. Même avec les fonctions d'ailleurs. Ah ouais, non, mais partout. Non, mais franchement, avec Pythagore, tu fais quasiment pas mal de choses dans ta vie. Hein. Donc, avec les fonctions affines, avec tout. Hein. Si ce machin est rectangle, déjà, où est-ce qu'il va être rectangle ? Il y a plusieurs options. Ben, a priori, il va être rectangle en face de son côté le plus long. Vous voyez, ça, c'est forcément l'hypoténuse, le côté plus long. L'angle droit, il est toujours en face de là. Donc, le côté plus long, c'est le côté AB. Là, j'ai A, là, j'ai B. Du coup, s'il est rectangle, c'est forcément C. Et du coup, je devrais avoir la réciproque de Pythagore qui serait juste, c'est-à-dire je devrais avoir l'hypoténuse au carré, donc AB carré, qui devrait être égal à AC au carré plus CB carré. Je remplace là-dedans, voir si ça marche. AC, c'est 2 racines de 2, CB, c'est 2 racines de 2, et AB, c'est 4. Donc là, ça me ferait 4 au carré qui devrait être égal à 2 racines de 2 au carré plus 2 racines de 2 au carré. Mon carré, il va toucher tout le monde à l'intérieur, donc ça va me faire 2 au carré fois racine de 2 au carré plus 2 au carré fois racine de 2 au carré. 2 au carré, 4, racine de 2 au carré, 2, ça fait 8. Plus 8, 4 au carré, ça fait 16. Est-ce que 16 est égal à 8 plus 8 ? Je sais pas. J'ai bien l'impression que oui. J'ai un doute quand même. Sans vouloir trop m'impliquer non plus. Et là, je peux dire que non seulement il est isocèle, mais en plus de ça, ce bon vieux triangle a aussi la bonne idée d'être rectangle. Les rectangles, en quel point d'ailleurs ? Et c'est tout simplement, on l'a dit, David, tu n'as pas suivi. Ah merde, pas suivi. On a dit que c'était le. Il était tellement occupé sur les commentaires, il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Alors c'est ce que tu avais dit. Oui, isocèle rectangle, ça c'est bon. Qui c'est d'autre qui l'avait dit ? C'est isocèle. Mais ils n'avaient pas tous dit rectangle. Eh ouais. Alors faites attention, hein. C'est vous avez la moitié du... Philippe et Rage, en gros, qui l'avaient vu. Qui sont très très chauds. Ils sont très chauds, là. Ça donne quoi le petit sondage sur le... Ah oui ! Bah, à ton avis. À mon avis, ils sont ultra chauds, non ? Ah bah, ils sont très chauds. Hein. 91%, ils sont chauds. Et genre... demande-leur maintenant ou on finit à la faillite. Si tu leur dis maintenant, ils vont dire maintenant. Mais après, on peut... Moi, je dirais qu'on peut l'attendre pour la... Est-ce que c'est le garder pour la fin, non ? Ou après, comme tu veux, toi. Après l'exo. On fait l'exercice 104, on fait l'heure, on a le temps, non ? Oh, il est que 16h30. Ah bah oui, on a le temps. On va vite, là. Allez, on enchaîne. Moi, j'avais quand même... Y a personne qui l'a dit, mais on n'avait pas une autre méthode. On n'aurait pas pu faire autre chose. Ah oui. Il y avait la réciproque de Pythagore. Ouais, c'est vrai. Personne n'a... Ouais, c'est vrai qu'il y aurait eu moyen de... Ouais, je suis d'accord. C'était peut-être plus long, hein, c'est sûr. Hein. Non, force. Ah, on peut faire vecteur AC scalaire BC égale 0 pour montrer que c'est rectangle. C'est qui, c'est Rage ? Ça, c'est Martin Destouche. Ouh. Bravo, Martin. Très fort, Martin. Très, très fort. Bien sûr. On peut faire un petit produit scalaire. En effet, regardez. Si mon triangle est effectivement rectangle, si je calcule ce vecteur-là et que je fais le produit scalaire avec celui-là, donc genre CA scalaire CB ou AC scalaire CB, peu importe, l'angle qu'on a ici étant égal à 90 degrés, le AC scalaire CB qui vaut norme de AC fois norme de CB fois c'est épuisant d'écrire la formule 90 devrait être égal à 0. Donc une manière de vérifier effectivement qu'on a un angle droit, c'est de vérifier que norme de AC fois norme de CB, enfin que AC scalaire CB soit égal à 0. Et si les gens se demandent comment est-ce qu'on fait pour faire ça, eh ben, on le fait avec les coordonnées, tout simplement. Les coordonnées, et ouais. X prime, bien sûr. Allez, on se le fait. Tu veux le faire ? Bah oui, je le fais tranquille. Allez, vas-y. On a le temps.
Après, il y avait une question intéressante. Au bac, il demande toujours avec les produits scalaires et non avec les Pythagore. Alors, ça dépend comment il posait la question. Tout dépend de l'énoncé. Mais si vous le faites, si on vous demande juste si c'est un produit, enfin, si un angle droit et que vous pouvez le faire avec Un un produit Pythagore. scalaire? Oui, non, mais il le dit qu'il faut toujours le faire avec le produit scalaire au bac. Pas forcément, Oui, non. voilà, c'est Ouais, ça. Ça ouais. dépend de Non, l'énoncé. alors surtout quand l'énoncé elle est tournée en fait dans cet exercice-là, Avec des triangles, ouais. on vous a dit calculer la longueur. En plus. Donc en fait vous avez fait l'essentiel du taf en calculant les C'est longueurs. Donc en toujours fait ça serait dommage de ne pas s'en servir. adaptez-vous à l'énoncé, hein. Parce que vous voyez que là, pour faire ma réciproque de Pythagore, j'ai juste eu besoin de réutiliser Des ici les calculs énoncés que j'avais fait déjà avant, quoi. déjà faits, ouais. Alors que si je veux faire AB scalaire AC, ce que en fait je vais pas faire, j'ai pas la foi. Mais on devrait recalculer les coordonnées de AB, celles de, enfin, de AC, celles de CB, et ensuite calculer le produit scalaire en plus, quoi. Tout à fait. Très bien. Effectivement, là, pour le coup, c'était plus rapide avec avec le Pythagore. Ok, super. On enchaîne, Dave? Yeah. Ok. Ah, je me disais, t'étais pas parti sur ce calcul. Qu'est-ce qui va. Non, j'étais pas. Ah non, mais attends, on n'a pas tant que ça que ça parce qu'on finit à 17h30. Ouais. Ah ouais, donc moi On je arrive pense qu'on là. en avait jusqu'à 18h. Ouais, il nous Ouais. reste 50 minutes. On se fait l'exercice 5 et on va voir Polynésie 2000, 2023. Alors, l'espace hémilicien, un plan OJK, calculer les distances. Ah non, mais on l'a déjà fait celui-là. Ah, j'ai copié deux fois le même parce que je me suis planté. Donc, Ah, l'aire de triangle. Est-ce qu'on fait l'aire du triangle? Non, on fait je direct le pense que 6, le plus hein. important c'est le 6. Allez, Ouais. on se dit, on fait le Le 6 6. c'est On fait assez le 6, on chaud et fait le c'est plus 6. classique. Allez, on se fait l'exercice Mais 6. c'est quasiment tout le temps qu'il demande ça d'ailleurs. Ouais, bah, bah, je suis quasiment sûr que. Bon, on verra après. Hein. On va voir. Moi, je fais un prono. Je pense qu'il y a le 6 de Polynésie. Je ne l'ai pas vu. Hein. Franchement, je ne l'ai pas vu. Hein. On l'a pas vu, on Je l'a suis pas honnête avec regardé. vous. Hein, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je suis quasiment sûr qu'on va se resservir de ce qu'on a fait là. Alors, on vous donne un fameux tétraèdre SABC ici. Donc ça, c'est l'objet qu'on va étudier, c'est cette espèce de pyramide dont on parlait, une pyramide à base triangulaire. On vous a donné les coordonnées de tous les points. Et on vous demande de déterminer le projeté orthogonal du point S, c'est-à-dire de ce point-là, sur le plan ABC. Autrement dit, je prends S et je le jette comme ça, tac, verticalement, vers le plan ABC, de manière à ce que sa trajectoire fasse un angle droit avec le plan ABC, et j'arrive ici, sur le point H. Question, quelles sont les coordonnées du point H qui est mon projet orthogonal sur le plan ABC. Ben pour faire ça, on va le faire en deux étapes. Première étape, on va trouver une équation du plan ABC. Donc on va se trouver une petite équation. Il faut savoir c'est quoi ABC avant de. Bien sûr. Eh oui. Une Un équation petit de plan. ABC. Ensuite, on va se trouver une équation Ouh, le baudet. d'une droite qui est perpendiculaire au plan ABC et qui passe par le point S. Autrement dit, on va trouver l'équation de la droite qui est ici. Et ensuite, on va se demander quelle est l'intersection de cette droite et de ce plan. Parce que vous voyez que le point H que je cherche, il est à l'intersection entre le plan en bas, Forcément. cette zone-là, et la droite verticale ici. Ça, c'est mon point H, c'est le projeté orthogonal. Donc là, dans la question, on ne vous pose pas, mais c'est à vous de déduire tout ça, hein. Le projeté orthogonal, il faut passer par l'intersection de la droite et Tout du à fait, plan. David. Alors là où c'est particulièrement hardcore, c'est que ici on ne vous a pas donné de Eh vecteur oui, là c'est long, normal au plan. Ah, hein. c'est pour ça que c'est si Ah long. oui, j'essaie de te D'accord. Donc prévenir, c'est-à-dire ouais. qu'il faut que je passe par un genre. Bah, il faut que tu définisses un vecteur normal. D'accord. Avec quoi on peut définir un vecteur normal? Avec le produit vectoriel? En fait, oui, on Ouais, mais pourrait. le produit Non, vectoriel est pas le produit commensurable. vectoriel, mais on pourrait prendre AC et AB, deux vecteurs non collinaires du plan Ouais, mais ABC. oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un troisième vecteur qui soit perpendiculaire à l'un, qui soit orthogonal à l'un et à Ouais, l'autre. mais du coup, tu as ABC, enfin, tu as trois équations, trois inconnues. Ouais, mais c'est l'enfer, quoi. Ah, ben c'est long. Ouais. Non, non, ça, en plus, ça nous ferait une équation. Ah non, ça nous ferait deux équations et une inconnue, mais c'est normal parce qu'après, il y en a une infinité. Oui. Donc, bah ouais, parce Attends, qu'après, il y a tous les vecteurs collinaires. on cherche ABC. T'as T'as trois coordonnées? trois coordonnées. Bah ouais, c'est bon. Mais t'as que deux produits scalaires. Donc tes deux produits scalaires, ils vont donner deux équations. Ouais. Et tes trois coordonnées vont donner trois inconnues. Donc on va se retrouver avec un système avec Mmh. trois inconnues, deux équations. Mais en même temps, tant mieux, parce qu'il y en a une infinité de vecteurs solutions. Ouais, Il est beaucoup je trop vois. hardcore. On va pas faire ça. On va aller se voir directement. Polynésie 2023, devant la demande du peuple. Donc non, les gars, franchement, ce truc-là est beaucoup trop hardcore. Hein. Clairement, je me suis peut-être un peu enflammé, je vous ai peut-être un peu surestimé.
Là, cet exercice-là, il aurait été faisable si on vous avait donné un vecteur normal. Donc, si on vous avait, s'il y avait eu une question zéro, du genre vérifier, allez, on va se le faire comme ça. On se le fait comme ça. Après, on peut en faire, on peut en déduire d'autres avec la représentation paramétrique. Vérifier que. On peut utiliser le. Qu'est-ce que tu dis, David ? Représentation paramétrique. Tu sors un vecteur normal avec les mêmes coordonnées ABC. Et ça te fait pas un troisième. Non. Non, mais on peut. Ça marcherait avec ce truc-là. C'est juste que c'est un enfer, quoi. Ouais, ouais, c'est long, hein. Et normal. C'est extrêmement long. Au plan ABC. Donc en gros, l'exercice, si vous avez cet exercice-là au bac, ça sera plutôt comme ça. On va vous donner un vecteur qui est normal à ce plan-là. Là. On va vous dire, bon, ben, ici, ce plan-là, ABC, il y a un vecteur normal ici qui est perpendiculaire à ce plan. Vérifiez qu'il est normal à ABC. Okay. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez trouver l'équation de cette droite-là et trouver l'intersection. Je fonce, David, nous chercher le Polynésie. Alors, sujet 1 ou 2? Et il y en a qui disent que le... Le plus dur. Attendez. Attends, j'avais vu un message. C'était quoi, le centre étranger? Alors. Mathématiques 1. Allez, c'est parti. Polynésie 2023. Donc, on va se regarder en entier. On va se prendre le temps. Donc, oh ouais, là, c'est du bonheur, les gars. Exercice 1, proba, on a un petit arbre, deux événements, calculer une probabilité, démontrer que la probabilité, oh là là, un petit... Oh là là, le plaisir, quoi. Oh, les probas cadeaux. Regardez-moi ça, 4 points, genre les probas, c'est cadeau, quoi. Franchement, tirage aléatoire. Oh là 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 là. Une petite phrase avec montrer qu'il existe un entier... Enfin, on suppose... Il y avait variables aléatoires, on n'avait pas beaucoup vu. Je pense que okay. C'est ça qu'on n'avait pas vu. Mais sinon, non, mais d'où est-ce qu'il y avait la loi binomiale? La loi de probabilité. Ah non, 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 c'est un truc de. J'ai mal lu. Je pensais que c'était ultra simple. Hein. Parce qu'il y a des sujets, il y a des lois de probabilité. Ok, allez, on s'attaque ce truc-là. On se le fait ensemble. Donc, allez vous le chercher sur internet et on s'attaque la correction. C'est le sujet 1 ou 2? Ça, c'est le sujet. Je sais pas. C'est écrit où? Bah, tu dois être en haut. Jour 1. Jour 1, donc sujet 1. C'est celui qu'il voulait ou pas? Bah, il demandait sujet 1 ou 2, il y en a qui disaient que en fait, celui qui était plus dur, c'était centre étranger. Vous voulez qu'on regarde centre étranger? Bah, de toute façon, c'était plutôt classique, là. C'était quoi? J'ai pas vu. Ouais, on peut regarder vite fait. On nous donnait en plus des représentations paramétriques. Une droite et de vecteurs directeurs, ouais. D2, machin, déterminer un vecteur directeur, sont pas parallèles, ne sont pas séquentes. Bon, ça, on pourrait expliquer comment... Ouais, on va le faire, celui-là, moi j'aime bien ce truc-là. C'est on fait ce truc-là, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, ça se fait. Allez, c'est parti, on s'attaque à ce sujet-là. C'est ce qu'ils veulent, je crois. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que vous avez, vraisemblablement, ce que vous allez avoir, c'est le niveau que vous allez avoir lundi ou mardi, en fonction de quand vous le passez, quoi. Allez, on se refait une nouvelle page. Tac, tac. On regardera... Allez, c'est parti. Géométrie dans l'espace. Donc, on vous donne cette fois-ci une droite avec un vecteur directeur et une deuxième droite. Première question... Déterminer un vecteur directeur de la droite V2, donc de la droite D2, donc de cette droite-là. Donc, ils ont été super cool avec vous. Ça, c'est exactement l'exercice qu'on s'est fait juste avant, sauf que nous, on l'a fait avec un plan. Vous savez, quand je vous disais, on vous donne, c'était l'exercice 1. On vous donne l'équation d'un plan. Donc, on vous dit, le plan, c'est moins 5x plus 7y plus 2z moins 4 égale 0. Donnez un vecteur normal au plan. Ça, c'est exactement la même version, sauf qu'on vous donne une droite et on vous demande un vecteur directeur de la droite. Sauf que quoi ? Sauf qu'ils ont été un peu traîtres, parce que déjà, c'est pas avec un T, donc vous êtes habitué à le faire avec un T, et là, on vous met un K, donc a priori, ça va vous mettre un peu... ça va vous faire... Ouais, bon, vite fait, j'essaie de voir ce qui peut être dur, quoi. Donc, il faut dire que le K, ça se comporte comme un T, et deuxièmement, on les a pas mis dans le même sens, et puis il y a des valeurs bizarres, à un moment, là, il n'y a qu'une seule lettre, et là, il n'y a qu'une seule lettre. Du coup, moi, je dis, bon, ce truc-là, je vais le réécrire légèrement pour que ça ressemble à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc, moi, je veux quelque chose fois K plus quelque chose, et je vais dire que c'est partout quelque chose fois K plus quelque chose fois K plus quelque chose. En l'occurrence, le nombre qui multiplie ici, c'est facile, 2k plus moins 3. Ici, j'ai juste k, donc en fait, j'ai une fois k plus 0. Et là, j'ai 5, donc j'ai 0 fois k plus 5. Donc, ce qui peut être un peu traître, c'est éventuellement ces 0 qui sont là et qui vous font une fois qu'un peu quoi. Il y en a qui est tombé un petit peu dans le piège. Mais sinon, il y en a qui est tombé dans le piège. Ok, très bien. Alors, le vecteur directeur de cette droite, c'est juste les coordonnées que je vais lire ici, 2, 1, 0. Donc, je peux dire que mon vecteur V, ses coordonnées, c'est 2, 1, 0. Fin de la question 1, franchement, du cadeau. Hein. Démontrer qu'elles ne sont pas parallèles. Ok. Si deux droites sont parallèles,
D'accord? Donc je peux une première petit droite. Schéma toujours. Hein. Toujours, moi, je suis très dans les schémas. Si ces deux droites sont parallèles, regardez, elles n'ont pas forcément le même vecteur directeur. Par contre, on peut dire que leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Quoi qu'il soit. Donc, si elles seraient parallèles, ça veut dire que notre vecteur V, il doit être collinaire au vecteur. Mais comment on fait pour démontrer une collinarité? Comment fait-on pour montrer une collinarité? Donc, ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un nombre, genre j'en sais rien, H, tel que V égale H fois U. Okay. Autrement dit que les coordonnées de V, c'est-à-dire 2, 1, 0, soient égales à H fois les coordonnées de U, c'est-à-dire 1, moins 1, 1. Moins 1, 1. Or, là, on a un 0, là, on a un 1. Donc, il n'y a aucun nombre qui va vous transformer 0 en 1. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de H. 54, non. 54 fois 0, c'est toujours pas 1. 237, 3, un négatif, un, pi. Un septième. Pi fois 0, non, ça ne marche pas. Non, ça marche du pas. Coup, il n'y a pas de cas qui transforment 0 en 1. Donc, elles ne sont pas collinaires. Donc, elles ne sont pas parallèles. C'est ça. Le fameux U égale KV, je vois, c'est ça. Donc là, c'est U différent de KV. Très bien. Il n'y a aucun cas qui peut permettre... Exactement. Bravo. Démontrer que les droites D1 et D2 ne sont pas séquentes. Alors, ça, je vais prendre un peu d'espace ici. Donc, la question 1, c'est... Pour vérifier si les droites sont séquentes, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bon, bah, j'ai déjà une des deux droites où j'ai son équation, sa représentation paramétrique. Je vais faire la représentation paramétrique de la deuxième droite. Donc, celle qui correspond à D1. Et je vais aller chercher manuellement s'il existe une intersection. Pourquoi on va faire ça? Parce que déjà, c'est un bon exercice. On va faire vite fait l'équation de la droite qui est là. Et deuxièmement, on va apprendre à trouver les équations, les intersections de droite. Du coup, je rappelle que ma droite D2, ses coordonnées, c'est x égale 2k moins 3, y égale k et z égale 5. Ma droite D1, elle passe par un certain point qui a pour coordonnées 2, 3, 0. Donc ici, je vais avoir 2, 3, 0. Et le vecteur directeur, c'est 1 moins 1, 1, donc je vais avoir x moins y plus z, k moins k, k. K moins k, k. Et attention, a priori, c'est pas le même k qui est ici, du coup, je vais mettre un k prime. Prime. Après, vous pouvez changer les lettres, hein. Vous pouvez mettre des p, des t, ça se fait aussi. Ou des indices, k1, k2. Voilà, je me fais dominer plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Ok, maintenant, regardez, si un point... et à l'intersection de ces deux droites. Si je suis à l'intersection de deux droites, ça veut dire que je suis à la fois sur l'une et à la fois sur l'autre. Donc, si j'ai un point M à l'intersection de D1 et de D2, ce point M avec ses coordonnées que je vais appeler comme par hasard X, Y et Z, il va vérifier à la fois cette équation et à la fois cette équation. Du coup, j'aurai ce nombre-là, 2K-3 qui vaut X, qui vaut aussi ce nombre-là, K' plus 2. Donc, je vais avoir... Tac, 2K moins 3 qui devrait être égal à K prime plus 2. Je vais avoir mon K là qui tu vaut de Yvan. Moins K prime. Une petite blague de temps en temps, ça fait du bien. Putain, hein. Sacré Yvan. On peut pas faire un live sans qu'il nous vienne aux lèvres. Bah oui. Hein. Et direct, il nous vient au bord des lèvres. Quoi. C'est on est en train de faire un truc et bim, mon K quoi. Le goat de tous les temps. Alors, globalement, si vous n'avez pas compris cette histoire, dites-vous que quand vous avez deux droites et que vous cherchez l'intersection, il faut que vous fassiez un système où vous prenez. Ça égale ça, ensuite vous prenez les x égale x, les y, x égale x, les y égale y, et les z égale les z, non, tout simplement. Du coup, on se retrouve avec une équation qui est assez cool. Pourquoi? Parce que mon K' ici, il vaut 5. Du coup, j'ai le droit de remplacer dans cette ligne-là, là, la ligne qui est ici, la deuxième, mon K' par 5. Donc ça me fait... Alors j'ai plusieurs questions. Oui, vas-y. On me dit pourquoi remettre un K, c'est ambigu. J'avais un K', hein, j'ai mis. Et pas un K, on l'utilise déjà. Ouais, okay. Alors, est-ce qu'on parle bien du système là? Ouais, bah, pourquoi ouais. K, Ilam ouais, salut Ilam, d'ailleurs. Bonjour Ilam. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, hein. Il faut juste changer le paramètre. Bah, alors, si vous voulez. C'est peut-être qu'ils voulaient changer au premier, au D2 qu'ils voulaient changer bah, je sais non, plus. Non, je pense que c'est le deuxième, ils n'ont pas kiffé que je mette K. Non, bah, remonte, c'était peut-être le D1 qui était déjà le K. Bah ouais, D1 c'est un K. Ah non, c'était D2 en fait qu'on nous donnait, pardon. Ouais, c'était D2. Ouais, hein. Bah, non, moi, ils mettent K, je mets K, et après, oh, l'autre, je l'appelle K'. Après, si vous voulez l'appeler je sais pas, T, appelez-le T, ça marcherait très bien avec du T. Hein. Sauf que, enfin, ouais, j'avoue que c'est discutable, non, mais c'est vrai. Après, peut-être qu'on parlait de... C'est discutable, non, il parlait ça. Il n'y a pas d'autre option. Ah, c'était pour la collinarité, voilà, ah. C'est ça.
C'était pour la collinarité, ouais, oui. mais bon, parce que c'est de manière générale, on utilise le K. On peut utiliser K, mais Ok, alors qu'est-ce que vous ok. avez comme. C'est pour la, par rapport à la proportionnalité. Voilà. Oui, la Et collinéarité, oui. donc les Ben, coordonnées c'est juste que le, proportionnelles. depuis la seconde, on utilise K, quoi. Ouais, c'est ça, U égale KV, mais On voilà. aurait pu le changer, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec vous, ça chipote, mais vous avez raison, on est là pour chipoter, on est là pour Exact. chipoter. Bon, pendant que vous C'était le. chipotez, moi j'avance sur C'est ce. bon ça? J'avance sur ce système, non, c'est pas fini, on y Allez, va. vas-y, hein. Donc, mon système qui est là, je vais le faire doucement parce que je vous aime bien. Et qu'on a le temps. Du coup, comment on résout ce truc-là? La dernière ligne, elle nous donne K'. Donc celle-là, j'y touche pas. Je sais que mon K', il vaut 5. Dans la deuxième ligne, là, je vais prendre celle-là et je vais remplacer le K' par 5. Donc je vais avoir mon K qui vaut moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3, ça me fait 2. Super, j'y touche pas. J'ai K égale 2, K' égale 5. Je pourrais m'arrêter là. Sauf que l'idée, c'est surtout de vérifier que la première ligne est valide aussi. Est-ce que quand je prends cette valeur de K et cette valeur de K' et que je les remets, ce K et ce K', à l'intérieur de la première ligne, je dois aussi avoir une égalité qui est juste. Donc je devrais avoir 2 fois K, donc 2 fois 2 moins 3, qui devrait être égal à K', c'est-à-dire 5 plus 2. Or 2 fois 2, 4 moins 3, 1 égale 7, c'est ça la première ligne? 1 égale 7? Bah absolument pas, 1 n'est pas égal à 7. Donc ça veut dire que je ne peux pas trouver un couple de nombres K et K' tel que les trois lignes de l'équation soient justes. Et si je ne peux pas trouver un nombre K et K' tel que les trois lignes soit juste, ça veut dire que ce système d'équation n'est pas juste. Et si ce système d'équation n'est pas juste, ça veut dire que ce que j'avais supposé, c'est-à-dire qu'il y a une intersection entre les droites, n'est pas juste non plus. Autrement dit, ces deux droites ne sont pas sécantes. Donc, D1, D1 et D2, non sécantes. C'est exactement la même chose que quand on avait dit à ce niveau-là pour la collinéarité qu'il n'y avait pas de K tel que V égale K fois U. Ben là, on dit qu'il n'y a pas de K Alors et moi, de K' tel que. j'ai du moins 2 partout, alors c'est j'ai pas suivi le calcul, toi, pardon. 1 égale 7, j'ai K' égale. Je me suis planté, c'est ça? Moi, j'ai du moins 2 2 fois K. partout. Moins 5 plus 3. Ben, moins 5 plus 3. Moins 2, Oh, moins moins 2. 2. Oui. My bad, my C'est pour bad, ça que my je voyais des bad. moins 2. My bad, my Ça bad, cumulait de my moins bad, 2. my bad, my Je me suis bad. dit, un petit problème, peut-être. My bad, my bad, my bad. On la refait. On la refait. Du coup, je change avec moins 2, je le mets dans la droite. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Bah, ça revient au même. Hein. Moins 4, moins 3. Là, est-ce qu'on est d'accord? J'ai un doute. Ouais, c'est bon. Devrait être égal à 5 plus 2. Autrement dit, moins 7 devrait être égal à 7. Ce qui n'est pas vrai. Donc, elles ne sont bien non séquentes. Est-ce que le chat me le confirme? Oui, ce coup-ci, je suis sûr. Mais on trouverait un K à 1. Non, c'est juste, on va dire. Ouais, moins 7, 7. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, on est Moins d'accord. 2 pour le K. Et K', ça a combien? 7? K', j'ai. Non, c'est pas. J'ai K' égale 5, K égale moins 2, et Ok. du coup, bah, ça rentre pas dans la première équation, et on est bon. Ok. Ok, quelle est la position relative des droites D1 et D2? Du coup, on a deux droites dans l'espace qui ne sont pas parallèles. Ok, donc on n'est pas dans ce cas-là. Elles ne sont pas sécantes, c'est-à-dire que, ben, en gros, elles se touchent à aucun. Alors, donc, en gros, si j'essaie de les représenter, Alors, toujours l'espace dans le plan, c'est compliqué. c'est Hein. compliqué, mais regarde, j'ai une petite arnaque là. Tac, 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 tac. Ah, les pointillés? Tac, tac, Ouais, mais on tac. dirait qu'elle. Elle passe en dessous, elle passe en dessous. Les Tu vois ce que je pointillés, veux c'est dire? quand tu passes par un plan. Elle passe en dessous, Ah, elle passe en ouais. dessous. Moi, j'ai l'impression comme ça, j'ai l'impression qu'elle passe en dessous. Ouais, Vous me dites ce que vous en c'est normal pensez? de. On dirait qu'il y a un pont. D1 et En gros, il faut D2. se dire, bah, dans l'espace, on peut le voir avec des mains, avec des stylos, vous faites. Hein, je Elles peux font être. ça. Non, voilà. Elles font Ça comme passe ça. comme ça, Elles font comme vous ça. avez compris quoi. Donc en fait, la position relative, ben, c'est elles sont pas coplanaires, ok? Elles sont pas parallèles, elles sont juste non coplanaires. Apparemment, il y a un tips. Hein. Il y a possibilité de créer des figures en 3D. Je les ai utilisées pour vérifier avec un truc qui s'appelle Kikas. Kichicas. À partir de quoi? À partir d'Internet? Je sais pas. C'est un petit tips qu'un quelqu'un nous donne Ben, comme c'est un ça. super tips, on va le noter, on va s'en servir, on va Ouais, s'utiliser on se le tranquillement. note, on regardera ça. Très bien. Intéressant en tout cas. Ok, vérifiez que le vecteur W est orthogonal à U et à V. Alors, comment est-ce qu'on vérifie, David, qu'un vecteur est orthogonal à un autre? Ah ben, tout Avec simplement, le fameux produit avec ce fameux produit scalaire. scalaire, tout simplement. Du coup, on va se calculer W scalaire U et Et W. pourquoi ça doit faire quoi un produit scalaire Oui, quand c'est orthogonal? ça doit faire. Je sais Un pas, David, produit dis. qui est comment? Ok.
Il n'y a personne pour nous répondre, il n'y a pas d'élèves. Bah oui, donc je le laisse comme ça et nous on va répondre après. Ah, c'est ça qui est bien. Bah ça vaut zéro. Eh ben oui, il y en a un qui a répondu. Alors, c'est toi qui as répondu. T'as fini par craquer, t'as répondu à ta propre. Il y a l'histoire de coplanaire, non coplanaire. Non coplanaire, c'est tout non coplanaire. Non coplanaire, du coup. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Alors, W c'est moins 1, 2, 3. Moins 1, 2, 3. Et 3, ok. Et donc U et V, on a dit que c'était quoi? Donc V c'est 2, 1, 0 et W c'est moins... et U c'est 20, U c'est 1, moins 1, 1. Oui, tout le monde avait le 0 là. Je sais pas s'il y en a un qui a mis 10 pour juste nous... Oui, c'est dans l'enthousiasme, il a appuyé sur les deux touches. Il est un peu binaire le mec. Il était trop fort. 0 ou 1? Et V c'est 2, 1, 0. Donc on va calculer W scalaire U et W scalaire V. W scalaire U, donc ça les gars c'est du pipi, hein. W scalaire U, moins 1 fois 1, moins 1, 2 fois moins 1, moins 2, 3 fois moins 3 fois 1, 3. Ça fait bien 0. Et yeah. W scalaire V. Il y en a un qui n'a pas compris la question 1D après. Hein. Ça me fait, attends, j'arrive, moins 2, plus 2, plus 3 fois 0, et ça fait bien 0. Donc on a bien W scalaire V qui vaut 0, W scalaire U qui vaut 0, donc W est orthogonal. Ouais, fin des cosmos, tu te calmes, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il dit, j'ai dit ça, ça vaut 1 en premier, mais tout ça, tout en majuscule comme ça. Oui, très bien, on est content. On se détend, cosmos, Oui, il y a un gros décalage entre vous et nous, donc moi, on pose des questions, et puis on attend 10 secondes, et puis après, on regarde. C'est pour ça qu'on peut pas... Très bien. Super. Alors, à question 1D, ouais. Il y avait une... Non, il y avait A1D. Il y avait quelqu'un qui n'a pas compris la question 1D. Quelle est la position relative entre les droites? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, David. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est. Le fait que ce soit. En gros, il y a trois possibilités pour les droites. Hein. Quand elles sont sécantes, elles sont coplanaires, parce que deux droites qui se coupent, elles sont sur le même plan. Elles peuvent être strictement parallèles, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles sans être confondues. Elles peuvent être confondues et elles peuvent être non coplanaires. Donc, j'ai dit trois possibilités, mais il y en a quatre. Attends, c'est. Coplanaires, c'est elles se touchent. Ouais. Strictement parallèles. Ben, c'est coplanaires. Ouais, okay. Bah, elles sont aussi coplanaires, mais par exemple, dans le cas strictement pareil, confondu et non coplanaire. Ok. Voilà. Vérifie que le vecteur W est orthogonal à U et V, et on considère le plan P passant par le point H et dirigé par les vecteurs U et V. Ah, on admet ! Oh non, incroyable ! Oh là là, les gars, là, vous êtes cool, hein ! Là, regardez ce qui se passe. On vous dit. Bon, on se fait un petit schéma. On se fait un petit schéma. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est un vecteur U. Elles peuvent être confondues. Comment ça? Rage, qu'est-ce que tu veux? Ah non, si elles sont ni sécantes ni parallèles, elles ne peuvent pas être confondues. Ouais. Si elles sont confondues, c'est qu'elles sont parallèles. Forcément. Mais bien tenté, Rage. Alors, on a démontré qu'elles n'étaient pas parallèles avant. Avec les collinéarités, donc 4, oui, voilà. Donc ça, c'est notre vecteur U, ça, c'est notre vecteur V. Et nous, ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'il y a un troisième vecteur qui sort de la feuille, là, qui sort comme ça. Ça, c'est U, ça, c'est V, pardon. Donc, on a un vecteur W. Donc, si je dessine sa flèche vue de haut, ça ressemble un peu à ça, une flèche vue de haut. Ça, c'est W, qui sort de la feuille. OK. Démontrer qu'on considère le plan P passant par le point H et dirigé par les vecteurs U et V. Donc, vous cherchez l'équation de ce plan-là, là, le plan qui est dans la feuille. Ça ressemble à rien, je recommence. Allez, je fais un schéma un peu plus clair. Ok. Non, je suis pas satisfait. Okay, je suis juste pas satisfait de mon dessin. On va faire un bon vieux repère des familles, ce sera plus simple. Donc on reprend. Ah, c'était par rapport aux positions relatives des deux droites, il disait Rage. Ouais, mais j'ai bien compris. Mais ouais, non, c'était ça. Si elles sont pas parallèles, Rage, si tes deux droites, elles sont pas collinaires, enfin si les vecteurs sont pas collinaires, ces droites-là peuvent pas être parallèles. Pour être confondues, il faut qu'elles soient au moins parallèles, quoi. C'est peut-être ok. Alors, regardez, on a un vecteur U et un vecteur V qui sont dans le plan du bas. Ok ? Nous, on cherche l'équation du plan qui est dirigé par U et V, c'est-à-dire le plan qui est parallèle au plan horizontal et qui passe par un certain point H. Donc en gros, moi, ce que je cherche, c'est ce point-là, ce plan-là, si je dois le dessiner. Là, j'ai mon point H, je cherche ce plan. Tac, tac. Ok. Sauf que dans la question juste avant, regardez ce qui s'est passé. On vous a demandé de vérifier qu'on avait un vecteur qui était orthogonal à U et W. Donc moi, j'ai un vecteur qui est perpendiculaire à ces deux-là. Là. Ça, c'est mon vecteur W, pas mon vecteur V.
Donc là, j'ai un vecteur orthogonal. Du coup, je peux faire l'équation cartésienne de mon plan. Je prends les coordonnées de W qui sont moins 1, 2, 3. Donc mon plan, ça va être moins x. Moins x plus 2y plus 3z. Ça va, David, en termes de chat? Ouais, je réponds juste à des questions. Plus d égale 0, et vous faites l'équation de votre plan. Bon, là, il se trouve qu'ils sont gentils, ils vous le donnent. Là, on vous dit, on admet que l'équation de ce plan, c'est ça. Démontrer que l'intersection du plan P de la droite D2 est le point M. Est-ce qu'ils ont des soucis ou pas? Alors, ouais, j'ai un peu perdu le fil, hein, Balthazar. Hein. Oui, j'ai bien l'impression, David. Alors, t'es sur quoi, pardon? Bah, je suis à la question 2B. Question sur 2B, c'était... Ouais, démontrer que l'intersection du point P et de la droite D2 est le plan M 3.3.5. Est-ce que ça, ils y arrivent ou pas? Alors, est-ce que vous arrivez à cette question? Ou est-ce que c'est une galère? Oui, donc que c'est une question qu'on n'a pas encore fait. Parler d'autre chose, bon, on va suivre. Oui, ok, Raj, il parlait qu'il y avait 4 solutions. Sinon, il y a des questions sur la 2B? Parce qu'il n'y a pas de questions, c'est fait vite fait. Hein, moi, je m'en ai fait la question 2B. Bon, non, je ne l'ai pas encore faite. Ah, c'était la 2A, pardon. Ouais, c'était là je faisais un petit peu, je montrais qu'ils étaient sympas avec eux, quoi. Donc, calculer l'intersection d'une droite et d'un plan. Donc, quand vous avez un plan, comme dans ce cas-là, le plan, son équation, vous la donnez, c'est cadeau, c'est 5x plus 4y moins z, 5x. Qu'est-ce que ça veut dire, un plan dirigé par deux vecteurs? Ah, c'est intéressant. Moins 22 égale 0. Donc, vous savez que pour définir un plan, il y a deux options. Soit... vous partez d'un vecteur normal, donc vous dites, ben, ce plan, il est normal à ce vecteur, ou plutôt ce vecteur-là est normal à ce plan. Soit vous dites, ben, ce plan, pour le définir, je vais utiliser un vecteur, par exemple celui-là, que je vais appeler mon vecteur U. Ah, shit. Et un autre vecteur qui va être là, et ça va être mon vecteur V. Donc c'est strictement la même chose de dire je le dirige avec un vecteur normal que je le dirige avec un vecteur U et un vecteur V, autrement dit je le dirige avec deux vecteurs. Sauf que quand vous avez un vecteur normal, c'est très facile d'avoir une équation cartésienne, et quand vous avez deux vecteurs, vous ne le savez pas, enfin vous ne le savez plus parce qu'avant c'était au programme du bac, avec deux vecteurs on peut aussi faire des équations paramétriques, mais des équations paramétriques de plan. Donc là ça a disparu du programme, maintenant ça ne sert plus que du vecteur normal qui est là. Et si on n'a pas l'équation du plan, on fait comment? Comment ça, si on n'a pas l'équation du plan? Pour trouver l'intersection? Non, mais je pense que c'était par rapport à l'exercice. Si on n'a pas l'équation du plan, bah... Ah bah, je l'ai fait juste avant. Ouais, c'est... Alors si, alors ce plan, c'est bon, hein. Vous avez un vecteur qui le dirige, c'est le vecteur c'est W, ça. Et vous avez un point de passage, j'avais toujours passe par le point H. Un moyen au moins de le calculer avec un vecteur le point H, il est là. Normal. Donc on reprend la méthode qu'on a utilisée tout au début du live, là, pour ça. Voilà. Ce vecteur-là, on a un point de passage qui est ici le point H, si je ne me trompe pas, et on a un vecteur normal qui est le vecteur qu'on vous a donné ici, c'est le vecteur W. Alors, comment est-ce qu'on va calculer notre intersection du plan P et de la droite D2? Donc je vais recopier D2. D2, c'est 2K moins 3. Tu peux me donner l'équation de D2, tu t'en souviens ou pas? Pas du tout. Pas du tout, merci David. Ouais, alors tu veux, je vais me sortir le sujet, tiens. Donc ça, c'est le plan. C'est le TD. Donc 2K moins 3, K5. X égale 2. K moins 3, K et 5. Ok, voilà qui est bien. Donc comment est-ce qu'on se fait l'intersection d'un plan et d'une droite? Ben, c'est quasiment la même technique que tout à l'heure quand on s'est fait l'intersection de deux droites. On va prendre les coordonnées ici, X, Y et Z, donc celles qui m'ont été données dans la droite D2. Plutôt que de dire X, Y et Z comme c'est dit là, on va dire ben, mon X c'est... 2k moins 3, mon y c'est k, mon z c'est 5, donc je vais les remplacer ici par 2k moins 3, ici par k et ici par 5. Ça va me donner une valeur de k que je vais remettre dans D2, que je vais remettre à la place de k ici pour avoir les coordonnées du point H. Donc 5 facteurs de 2k moins 3. En gros, on fait un système avec 4 équations. On remplace les coordonnées x, y, z par celles des paramètres. Donc là, en termes de rédaction, il faut peut-être mettre une accolade qui prend les deux, à la fois le plan et la droite. Parce qu'en termes de rédaction, oui, tout à fait. On peut mettre une double accolade. Voilà. Et, ou alors on peut écrire et. Bon. Voilà. On cherche, ou sinon vous faites combinaison de. Très bien. D'équations. 10k, moins 15, plus 4k. Tu as besoin de. Moins 5, moins 22. Toutes les infos là. Le gueule de... Non, je suis bon là. Ça fait. Tiens, j'en profite pour regarder un petit peu cette histoire de. 14k. De... 15, 20, 2,
avait peut-être les questions. Vous me dites si je me trompe ou pas. Hein. 15 moins 5, 20. Moins 20. 14K. 14K égale 44. Bah ouais, 42. Wow, et c'est ouais, c'est pas mal ça. K égale 42. Donc 6 fois 7. Ce calcul sur 2 fois 7. Égale 6,5 égale 3, tout simplement. K égale 3, ben, ça sent très bon. Hein. Donc a priori K égale 3. Et maintenant je vais remettre ma valeur de 3 à la place du K dans X, Y, Z. Donc mon point d'intersection qu'on appelle le point M, ses coordonnées, ça devrait être X égale 2 fois 3 moins 3, Y égale 3 et Z égale 5. Donc je vais avoir 2 fois 3, 6 moins 3, 3, 3, 5. 3, 3, 5, yes! 3, 3, 5 pour le point M. 3, 3, 5, mais ça tombe bien, c'est dit dans l'énoncé. Est-ce que quelqu'un dans le chat, est-ce que quelqu'un dans le chat a une autre idée de comment est-ce qu'on pourrait démontrer que l'intersection du plan machin et de la droite, c'est M, 3, 3, 5. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de comment est-ce qu'on aurait pu faire ça plus rapidement? Allez, bon, je time 20 secondes. Voilà, c'est ça. Maintenant que tu as posé la question, on suffit d'attendre. Je time 20 secondes. Il n'y en aura pas une seconde de plus. Tu vois? 2. Ouais, moi aussi, je vais m'hydrater. Je vais en profiter après pour regarder le... Parce qu'on parlait beaucoup de centres étrangers aussi. Ça parle beaucoup de centres étrangers ? Bon, on peut se finir tout à l'heure. Hein. C'est plus maintenant, mais je voulais voir. Ouais, il y en a qui ont eu. Ah, j'ai lu ça sur un commentaire. J'ai lu ça sur un short, je crois. Quelqu'un qui disait qu'elle avait fait centre étranger, qu'elle s'était fait démonter, quoi. Ah. Que c'était genre complètement infaisable. Ah. On pourra jeter un coup d'œil si on a le temps. Hein. Oui, bien sûr, David. Est-ce que quelqu'un a proposé une solution? Alors, ou pas ouais, je vais regarder maintenant. 3, 3, 5. Oui, bah, de toute façon, c'est. Mais ouais. Maintenant, l'idée, ça serait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mettre le point dans l'équation cartésienne. Oui, tout à fait. Wow. Est-ce que ça serait suffisant? Il faut aussi le mettre dans les deux, en fait. Eh oui. On prend 3, 3, 5, on le met à la fois ici à la place de x, y, z, et on le met à la fois ici, on espère trouver un cas où ça marche. Ça, ça serait oui, une si deuxième on, option. Si on vous donne la réponse, finalement, il faut vérifier que ça marche dans les deux équations. Ça serait une deuxième option, mais ça ne serait pas forcément plus simple. Ah non, alors, mais c'est tout, l'exercice, il est fini, là. Eh ouais. Hein. Oh non. Non, il n'y a pas le 3. Non, mais il n'y a pas d'histoire de... Oh, là, franchement, vous auriez un truc comme ça, là. Attends, j'avais quelqu'un qui me parlait d'autre chose. Dis-moi. On met les... Ouais... On remplit... Non, attends, j'avais autre chose. J'aurais dû le noter, David. Ouais, mais ça va vite. J'aurais dû le noter. Hein. Écoute, c'est pas grave, on enchaîne direct avec les questions 3. C'est peut-être ça défile vite, hein, je sais pas. Alors, soit D, la droite de vecteur 1, divisé passant par le point M, une représentation paramétrique est donnée par... Oh, il vous donne toutes les... Il vous donne toutes les informations. Et là, on a du R. Oh, ouais, bah voilà. On continue. Alors, on vous donne une petite droite. Donc, moi, je vais remonter un peu ici. Tac. Je vais aller chercher mon screen. Où est-ce qu'il est? Ah, mais c'est chiant, ce truc. Alors, je vais faire un petit screen du truc. On se fait une petite page pour recommencer sur des bonnes bases. Alors, on vous donne une droite delta, on vous demande de montrer que les droites delta et delta 1 sont perpendiculaires. Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, comme d'habitude, on se fait un petit schéma. Donc là, j'ai ma droite delta, là, j'ai ma droite d1. Si elles sont effectivement perpendiculaires, moi, je vais transformer ce problème de perpendicularité en un problème de vecteur. Ça veut dire que le vecteur ou tous les vecteurs qui dirigent delta sont orthogonaux à tous les vecteurs qui dirigent D1. Sauf que le vecteur qui dirige D1, il me semble qu'on l'a déjà trouvé. Hein. Le vecteur qui dirige D1, c'est 1 moins 1, 1. Donc a priori, quand j'ai mon vecteur là, 1 moins 1, 1, il devrait être perpendiculaire au vecteur directeur de delta. Et le vecteur directeur de delta, je lis ses coordonnées ici. Tout simplement. Moins 1, 2, 3. Moins 1, 2, 3. Donc, si delta et D1 sont perpendiculaires, ça veut dire que mon vecteur 1, moins 1, 1, scalaire le vecteur moins 1, 2, 3, ça devrait être égal à 0. Or, 1 fois moins 1, ça me fait moins 1. Moins 1 fois 2, ça me fait moins 2. 1 fois 3, ça me fait 3. Quand je fais moins 2 plus 3, ça me fait bien 0. Donc, les deux droites sont orthogonales. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles sont forcément séquentes? Eh oui, parce que pour que ça soit perpendiculaire, il faut que ça soit orthogonal. Exactement. Et c'est quand bien. Il faut que ce soit dans le même plan. Tout à fait. Du coup, il va falloir montrer qu'en plus d'avoir leurs vecteurs directeurs qui sont orthogonaux, c'est-à-dire en plus d'aller dans des directions perpendiculaires, elles ont un point d'intersection. Donc pour trouver qu'elles ont un point d'intersection, on va reprendre la technique qu'on avait fait avant, encore une fois. Donc on va se résoudre un système, deux équations, deux inconnues. Donc on va dire, question
Je pense que c'est la question A. Question A. Si elles sont séquentes. C'est pas la question A, c'est la question si. 3. Si elles sont séquentes. On va pouvoir faire notre petit système en disant moins R plus 3, 2R plus 3, 3R plus 5. Moins R plus 3, 2R plus 3, 3R plus 5. Devrait être égal à l'équation de la droite D1. L'équation de la droite D1, c'est-à-dire x moins y, z, x moins y, z, x... t moins t, t. Mais on, plus tu, 2, tu l'as vu tout à l'heure, non? Bah oui, écoute, je viens de la refaire. Bah voilà. Ok. Donc, là, cette fois-ci, j'ai choisi deux variables avec des noms différents. J'ai choisi R ici. Donc là, ma variable, c'est R. Et de l'autre côté, ma variable, c'est T. Comme ça, on répond aux critiques qui ont eu lieu tout à l'heure. Donc, je refais pareil. J'utilise la première ligne pour trouver la valeur de R en fonction de T. Donc, je modifie juste ma première ligne. Mon R, il vaut, je passe le 3 de l'autre côté et j'inverse tous les signes. Ça, ça veut dire que R, il vaut moins T, moins 2. Moins T, moins 2, plus 3. Maintenant, je vais remplacer cette valeur de R que j'ai trouvée dans l'équation, juste en dessous, dans la ligne, juste en dessous. Donc, je vais avoir deux facteurs de R. Donc, deux facteurs de ce truc-là. Donc, deux facteurs de moins T, moins 2, plus 3, plus 3, égale moins T, plus 3. Je m'accroche parce que ça va être complexe. 2 fois moins T, moins 2T. 2 fois moins 2, 4. Moins 4. Moins 4, t'as raison. 4, 2 fois 3, 6. Plus 3, égale moins T, plus 3. Je passe mon T de l'autre côté, il me reste moins T, égale 4, moins 6, moins 3, plus 3. Donc moins T égale moins 2, moins 3, moins 5, plus 3, moins 2. 2. Donc moins T égale moins 2, T, T égale 2. Égale 2. Ok, super. Ouais, j'ai T, T égale 2. Yes, T égale 2. Je le remets là-dedans pour avoir R. R. Donc R, c'est moins 2, moins 2, plus 3. Donc R, c'est moins 1. Et je vérifie dans la dernière ligne moins 1, si ça bien, marche. C'est 1000. Non, c'est MLI 125 lunes qu'il a. Je remplace ici 3 fois T, donc 3 fois 2 plus 5 devrait être égal à... Mince. Elles ne sont pas séquentes. Elles sont perpendiculaires. Ah, il y a une couille dans le pâté, là. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas séquentes? 3R... Est-ce que je me suis planté dans mon... Je me suis planté. 3R plus 5. Et là, en haut, égale T. Donc, mon T, il vaudrait 2, c'est ça. Mon R, il vaut 1. Attends, 3... mais t'as vérifié le T? Bah, je suis quasi sûr, hein. La droite T, la droite D, 1, c'est ça, elle passe par... Ouais. T'as pris H, c'est ça? Ouais, ouais. Bah, T plus 0, hein. Donc non, moi, je les trouve pas... Elles sont pas séquentes. Où est-ce que je me suis planté? Moins R plus 3, 2R, 3R plus 5. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Ah, R égale moins 1. Ouais, c'était moins 1, ouais. Ah oui, j'ai inversé R et T. Ah, eh oui. Bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Allez. Attends, ça fait moins 3 fois moins 1 plus 5, ça fait moins 2. Et égale, on a retrouve le 2. 2 égale 2. Yes, elles sont perpendiculaires. Et elles sont perpendiculaires. Bien vu, les gars, ils avaient vu. En un point T. Il avait vu déjà? Ouais, la plupart. Ça, c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Ça, c'est bon. Très bien. Dont on déterminera les coordonnées. Bah, super, les coordonnées, on les a. Maintenant qu'on a R ou T, on a juste à prendre R ou T et à le remettre au choix, soit dans cette équation, soit dans cette équation. Donc moi, je préfère prendre cette équation-là parce qu'elle est plus simple. Je remplace mon T par 2 ici. Ça va me donner 2 plus 2, moins 2 plus 3 et 2. 2 plus 2, 4. Ça va me faire 4. Moins 2 plus 3, 1, 1 et 2. 2. Formidable. 2, hein, j'ai vu ça aussi, hein. Les points d'intersection. 4, 1, 2, 4, 1, 2. Et ça, c'est le c'est point très bien, qui s'appelle L. Ok. Ensuite, expliquer pourquoi la droite delta est solution du problème posé. Donc à ce stade-là, il faut déjà se souvenir de quel est le problème qu'on nous a posé. C'est bien ça, mais c'était quoi le problème? Qu'il soit perpendiculaire à D1 et à D2. Donc on a vu que cette droite-là, elle est perpendiculaire à D1. Bah, on vient de montrer qu'elle était perpendiculaire à D1 et on n'a pas montré qu'elle était perpendiculaire à D2.
Ah, et la droite delta, laisse-moi deviner, elle est dirigée par moins 1, 2, 3. Moins 1, 2, 3, donc elle est dirigée par le vecteur W. W qui est orthogonal à U et à V. Et le vecteur V, c'est le vecteur qui dirige D2 normalement, c'est ça? V, c'est D2. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on veut une Oui, mais droite qui c'est soit quoi? perpendiculaire à D1 et D2. On va se faire un petit dessin. Ouais, là, il faut faire des dessins, Là, là. pour le coup, il faut vraiment faire un dessin. Donc, a priori, D1 et D2, elles sont pas, elles sont rien spécial, hein. Elles Ouais, on sont rien avait dit, spécial. c'est ni non coplanaire. Donc ça, c'est D1. Si je me souviens. Ça, c'est D2. Donc, si on se plante pas, la droite qu'on cherche, c'est-à-dire notre droite delta, est-ce que je vais réussir à la dessiner cette droite delta? Elle devrait être perpendiculaire à l'une, c'est-à-dire que je devrais avoir un angle droit ici, comme ça, tac. Et elle devrait aussi être perpendiculaire à l'autre. Tac. Donc, ce qu'on a vérifié dans la fonction juste avant, dans l'exercice juste avant, c'est que delta et D1, elles étaient perpendiculaires. Donc j'ai au moins cette perpendicularité-là, celle de delta et D1, qu'on a checkée. On sait que delta est perpendiculaire à D1. La question qu'on peut légitimement se poser maintenant, c'est est-ce que delta est aussi perpendiculaire à D2? Or, delta, elle est dirigée par un vecteur, qui est le vecteur, on le prend en regardant la tête qu'elle a, moins R de 3, donc elle est dirigée par un vecteur directeur qui est moins 1 de 3. Donc ici, mon vecteur, c'est moins 1 de 3. Je sais que D2, elle est dirigée par un vecteur de 1, 0. Donc je sais que le vecteur qui dirige D2, c'est 2, 1, 0. Donc je vais commencer par vérifier que ce produit scalaire, il fasse bien 0. Celui-là, scalaire, celui-là, ça fait 0. Donc ces deux droites, D2 et delta, elles sont soit perpendiculaires comme ça, sans se toucher, soit, enfin, elles sont soit orthogonales comme ça, soit perpendiculaires avec un point d'intersection. Et j'ai juste à vérifier qu'il y a un point d'intersection en reprenant le coup qu'on vient de faire là, c'est-à-dire en montrant que l'intersection de cette droite delta avec la droite D2, dont j'ai pour le coup directement l'expression ici, donne bien un point. Et vous savez quoi, on va se le faire tout de suite. Ouais. 2K-3K5. L'orthogonalité, on la voit vite, hein. Donc vérifions Un l'intersection petit moins 2, plus 2, plus 0. entre delta Est-ce qu'il y a des questions là? Je regarde. et D2. Donc delta, son expression, c'est moins R plus 3, 2R plus 3, 3R plus 5, moins R plus 3, 2R plus 3, 3R plus 5. Et ça devrait être égal à l'expression de D2 qu'on va choper là-haut, 2K-3, K5. 2K-3, K5. Oula. C'est l'orage qu'on entend Ouais, là. il y a de l'orage C'est chez nous incroyable là. ça. Il faisait un temps radieux avant qu'on commence le live. Très bien. La première ligne, je passe mon 5 de l'autre côté, elle me donne directement R égale 0. La deuxième ligne, je remplace R par 0, ça me fait K égale 3. Je vérifie, si je prends R égale 0, je me retrouve avec K égale 2 fois 3, 6 moins 3, 3. Donc j'ai bien 3 égale 3, c'est vrai. Yes. Donc il y a une intersection. Donc non seulement le produit scalaire vaut 0, c'est-à-dire qu'elles sont perpendiculaires, mais en plus j'ai une intersection ici. Donc cette droite delta, elle est bien perpendiculaire à D1 et perpendiculaire à D2, David. Et là, franchement, les gars, vous avez un sujet comme ça Sympa. sympa, regardez. Donc Ouais, on fait les calculs ensemble. c'est toujours les mêmes méthodes. On fait les calculs ensemble. Exercice 1. Des petites probas Ah bon, les vraiment probas, allez, standard on a quoi. fait une petite étourderie, on a 4 points. C'est sur 4. Ah, c'est sur 4? Ouais, c'est sur 4. Donc Ah, on va c'est dire que tu as bizarre, fait quand même, 3, là. 3,5 quoi. 3,5. Ouais, généralement, Exercice 2. c'était toujours sur 5. Exercice 2, on admet vous êtes un peu stressé. Vous n'arrivez pas à faire la 3B. Ok, donc moi je vous mets 4 sur 5. Vous avez déjà 9 points. Le QCM. Oh, le QCM il est comment? Ouh, petite exponentielle, Ah, non? il y a de la convexité. Ouais, c'est ce qu'il disait l'autre Ah. jour. Aïe 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 aïe. Bon, convexité, c'est Tiens, très... les mecs sont pas prêts, hein. F prime, F F seconde. seconde, ouais. Voilà. Alors on vous a préparé, il me semble que si vous retournez sur notre sujet sur le sujet qu'on avait fait nous, donc sur le sujet qu'on vous avait préparé pour hier, donc le sujet du David vendredi, c'est ça, hein. Hier, c'était vendredi. Si je retourne sur le sujet du vendredi 17 mars, il me semble que voilà, les premiers exercices, c'était des exercices de convexité, hein.
Voilà, franchement, allez vous faire cet exercice-là. Là. Si vous voulez, si jamais vous voulez vous faire un petit rappel sur la convexité, vous allez faire cet exercice-là. Ouais. Et est-ce qu'on a une fiche sur la convexité, nous? On a une fiche, mais on l'a pas publiée. On l'a, quelque part. Et est-ce qu'on l'a sur un... On l'a dans les placards, là. On l'a dans les placards. Est-ce que, ça serait pas temps de la lâcher comme ça, de l'offrir au monde? Est-ce que t'as un moyen rapide de me l'envoyer, peut-être? Non. Mais non, t'as aucun moyen. On l'a pas. Mais on l'a en PDF quelque part, mais on va voir. On l'a pas en PDF. On va essayer de vous la lâcher rapidement parce que au cas où il y a Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça. Est-ce que sur le chat, qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Ouh là, j'avais pas vu, mais il y a des petits débats sur D1 et D2. Ah ouais. Ouais, il y a un petit débat avec Rage, avec Mille. Alors je sais pas si c'est vraiment. Non, pertinent. Mais c'est bien, le se battre. Ouais, mais t'es là sur Insta, vous avez vu, on avait mis quoi, la loi binomiale sur Insta, vous avez aimé? Offrez-le-nous. Offrez-le-nous, on l'offre au monde, bien sûr. L'offre. Bien sûr, on va l'offrir au monde. Alors déjà, je vais. Mais trouve-le, David, est fou là sur Insta. Fou on la fout comme ça, sans fou réfléchir. Fou la brute sur Insta, je crois qu'elle en plus, elle est belle, vous allez voir, on a fait un super travail. Hein. Bon. Franchement, les fiches, elles sont chelées. Allez, on la met sur Insta. On va pas se faire de la dérivée là, non, franchement, c'est trop. Franchement, c'est trop relou. On jette un coup d'œil à. Ah, tu voulais parler de la convexité? Ouais, mais non, franchement, vous regardez la fiche, vous dérivez deux fois. Bon, c'est tout ce qu'il faut se retenir, c'est la différence entre convexité et concavité. Donc, attends, je reprends ça. Avec la dérivée seconde. Ouais, la dérivée première, la dérivée seconde. Réflexion quand ça vaut zéro. Donc, il y avait une petite question là. Le QCM, après, c'était faisable. Hein. Ok. Ah, alors là. Oh, regardez-moi ça. C'est exactement ce qu'on avait prévu. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est exactement ce qu'on a fait, les gars. C'est exactement ce qu'on a fait. Franchement, les deux questions que je dirais qui sont vraiment dures, c'est les deux là. La question C et la question D. Démontrer qu'il n'existe aucun rang K pour lequel UK égale alpha. Donc ça, c'est vraiment... parce que démontrer qu'il existe, on y arrive bien. Démontrer qu'il n'existe aucun, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, David? T'as déjà vu une question comme ça? Démontrer qu'il n'existe aucun rang K pour lequel UK égale alpha. Ça fait mal à la tête, hein. Pour lequel VK égale UK. Donc en vrai, ces questions-là, je considère... Bah, pour moi, c'est un truc où il y a facilement moyen de prendre 16 ou 17 là-dessus, tranquillement, quoi. Si on a bien travaillé. Si on a bien travaillé, effectivement, si on a fait tous les streams. Si on a fait tous les streams, et plus encore les petits... Ouais. Si on n'avait pas eu le temps à chaque fois de faire tous les exercices, ouais. Hein, en une heure et demie, c'est dur de tout voir, tranquillement. Alors peut-être on prend, il nous reste 5 minutes, peut-être on essaie de prendre un peu le chat et de voir s'il y a des questions d'ordre général. C'est notre dernier stream, hein, d'ailleurs. Hein, ah, oui, c'est la... Poser une question, c'est maintenant. On va peut-être faire comme ça. Alors, tu veux pas démarrer une session de questions-réponses? Questions-réponses? Si, il y a l'option, là, on ne sait pas ce que ça fait. Ouais. Vas-y, bon. Lance... Alors, attends, déjà, j'essaie de... Alors, salut, quand on doit vérifier que deux droites sont sécantes et qu'on se retrouve avec le système 3 équations de deux inconnues, on peut résoudre le premier en finir en matrice. Ouais, les gars... Calmons-nous avec les matrices. On résout le premier, on n'est pas en maths expert, là. En matrice. C'est un peu ouvert. Ah, j'ai rage, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que si une droite delta coupe perpendiculairement D1 et D2, alors D1 est parallèle à D2? Ouais. Bah oui, forcément, ouais. Ouais, tout à fait. Non, pas du tout. Bah si, on coupe perpendiculairement D1 et D2. Regarde, si tu prends la droite, genre tu prends D1 et D2 pas perpendiculaires. Ah, une droite, pardon. Ouais, excusez-moi. Et tu fais une droite qui les coupe comme ça. Donc non, pas du tout. Il y a plein de cas. C'est effectivement un cas possible. Regarde. Oui, c'est comme ça. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais si je les tourne un peu, tu vois, on peut toujours imaginer une droite qui s'enfonce comme ça, là, qui va couper perpendiculairement même droite. Et pourtant, elles sont presque. Elles peuvent être perpendiculaires, parallèles, peu importe. Mais c'est une bonne question, Raj. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les primitifs, c'est grave dur, mais je pense pas que c'est au bac. Tu veux pas lancer une petite foire aux questions? Alors, qu'est-ce qu'on pose comme question? Comment vous avez trouvé les... Non, mais comment, il n'y a pas une option sur ce chat? Si. S'en servir. Bah, mais c'est quoi? C'est nous qui posons une question? Tu poses une question et... Ah, c'est nous qui posons la question? Ah non, mais non, on s'en fout. Bah oui. Attends, si, laisse-moi y aller vite fait. Je fais une petite inception. Comment est-ce qu'on fait ça, David? Je vais sur notre chaîne YouTube, les gars. Je vais sur notre chaîne YouTube. Galilée AC. Vous nous conseillez de faire quoi en ces derniers jours de révision demain? Bah déjà, si vous avez bien travaillé avant, ça dépend de vous. Hein. Si vous sentez mal dans un sujet... Ouh, ça fait bizarre de voir sa tête. Ouh, il y a Balthazar. Ah, il y a un décalage en plus. Et le truc, c'est que... moi, je vous dirais déjà, détendez-vous demain. Hein. Soyez en forme, surtout pour le jour 1 et le jour 2. Et faites-vous des petites fiches. Moi, je dirais même, revoyez toutes les formules, que ce soit clair. Vous embrouillez pas avec tous les exercices. Il y a des sujets dans tous les sens. Ok. Ah, comment faire pour... c'est Yosui.
S'il vous plaît, pouvez-vous dire comment on fait pour calculer les volumes, s'il vous plaît? Mais quel volume? Il y avait un exercice que tu as en tête? Non, ni là-dessus, ni là-dessus. Je pense que sur un tiers de la base. Ah oui, un tiers de la base fois la hauteur. Demande-lui s'il parle bien de. Pouvait tomber sans donner la formule. C'est vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Non, non, il y a aucun... les seuls volumes sur lesquels on peut éventuellement vous demander des volumes, c'est genre tout ce qui est un cube. Donc Oui, base fois oui. hauteur fois À fois la chaque fois, longueur, quoi, tous le les sujets, produit. on a vu, il y avait des Ouais. volumes, on les donnait, hein. C'était le 1 tiers Le de base fois voilà, hauteur. c'est ça. Un tiers de base fois hauteur, c'est le volume d'un tétraèdre. Nous, dans l'exercice qu'on a fait ici, là, dans cet exercice-là, l'exercice 6, on ne vous l'a pas donné. Non, c'est pas celui-là, c'est toujours pas celui-là. Dans l'exercice, le dernier de la fin d'aujourd'hui, on ne vous l'a pas donné, mais. Ah C'est quoi? ben, C'est naturel, arrête. c'est C'est mon pour chien. la fin, elle se lâche, Voilà, comme. c'est mon chien qui a été extrêmement sage pendant genre 5 jours et qui d'un coup s'énerve là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, dans cette formule-là, l'air, elle sert, mais on ne vous l'a pas donné. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut vous arriver dans le pire des cas. Je suis sûr qu'au bac, on vous donnera l'air de la pyramide en question. Il se met à pleuvoir maintenant de ouf. Variable aléatoire, variable aléatoire, Younous Diallo, il n'y en aura pas, hein. Tout simplement, il n'y aura pas de. Alors, des exos pour les épreuves de terminale lundi-mardi. Moi, je pense qu'on aura, un binomial ultra simple et un géométrie dans l'espace ultra simple et que la difficulté, elle sera sur le QCM, peut-être, et éventuellement la suite arithmético-géométrique. Donc, moi, je parie fortement sur un exercice de type de suite comme le dernier qu'on a eu le troisième jour, le jour où on n'a fait que des suites. En seconde, pour l'instant 17,54, je pense prendre spécialité maths et je suis content de connaître votre chaîne avant de passer au bac. Au moins, j'hésite avec un chapitre. Ça, c'est cool, on est content. Les équatifs, ça tombera pas, sauf montrer qu'une fonction est dérivée, machin, machin. Nous, il y a le déluge dehors, pile à la Ouais, fin puis au moment où on du. finit, quoi. Nous, il y a un sacré déluge, hein. Alors, Fatma, est-ce que vous pensez que le sujet de maths de lundi sera plus facile que celui de mardi ou bien le contraire? Ben, en fait, franchement, on n'en a aucune idée. Toute personne qui prétend le savoir, sauf s'il a des tuyaux à l'éducation nationale. Franchement, je ne sais pas comment il fait. Il y a juste eu un cas l'année dernière où le premier jour était effectivement légèrement plus simple que le deuxième jour, mais c'est vraiment tout quoi. Waouh. Ah ouais! Comment... Ah, t'as tué le live. Non, non, je n'ai pas tué de Bah live, si, hein. regarde, il n'y a plus rien qui s'affiche. Comment avez-vous trouvé nos lives? Bon, C'est comment t'as fait ça? bonjour, on pensait que la suite. Mec, on peut te... Ils s'en foutent de notre. Ah ouais, ça Ils sert s'en à rien. foutent, ils s'en J'arrête la foutent. session Arrête question-réponse. la session question-réponse, ils s'en tamponnent. Voilà. Ils s'en tamponnent, ils s'en Ah oui, tamponnent. c'est enlevé. Ah non, j'ai eu peur. Oh ah, ça, ils nous disent merci. Bon, bah, merci pour cette semaine. Ouais, les gars, c'était. Franchement, c'était un plaisir. Nous, c'était les premiers en vrai. Bah, c'était la découverte pour nous, hein. Bah ouais, Mais merci. franchement, c'est un petit kiff, hein. T'as trouvé ça comment, Balthazar? Moi, je trouvais ça cool. C'était Franchement, cool, je trouvais hein. ça grave cool. J'adore le côté salon un peu. On est tous les deux, on fait des maths. Bah ouais, Genre, on rigole un peu. on a essayé d'interagir aussi avec Ouais, vous, hein. voilà. C'est pas forcément, on n'a Ouais. pas été forcément le plus Ouais. performant, mais on sera de plus Ouais. en plus fort là-dessus, hein, C'est on la, espère, franchement, plus c'est prochainement. la première fois que qu'on vous parle autant, en fait, surtout. Qu'on parle Oui, autant à la communauté. on parle beaucoup. On parle Généralement, on se beaucoup. cache. Moi, je suis content. Normalement, sur YouTube, on n'interagit pas trop avec eux. Bah, regardez les vidéos sur YouTube. Dès qu'il y a des questions sur des vidéos de YouTube, on les répond par Ouais. contre. Par Sur contre, sur. les shorts, TikTok, tout ça, beaucoup moins. Ouais. Il y a beaucoup trop de. C'est un peu trop. En Ouais, fait, on ne sur touche pas que des lycéens, en fait. Ouais, sur TikTok, il y a des fous un peu. Et Et sur les oui, shorts, il y a il des y a des fous un peu gens aussi, donc on répond pas trop. c'est un Par peu les contre, religieux de la rigueur. si vous voulez nous. Ah oui, c'est vrai qu'on se fait. Si vous voulez nous joindre de manière efficace, posez plutôt des questions sur les forums de galilée.ac, parce que là, on est notifié, là, on vous répond quasiment en direct. Donc en fait, sur galilée.ac, quand vous avez un problème sur un exercice ou quoi, et que vous posez une question, on essaie de répondre très rapidement. Donc on préfère investir en fait sur de la réponse sur www.galilée.ac parce Ouais, que. Parce maintenant que vous avez un super finalement. chat, un Ouais, vous avez super vu en espace bas de des commentaires en exos, il y a un fait. espace de commentaires C'est de pas un ouf. chat, hein. Un espace commentaire de ouf où vous pouvez vous liker, choper des points. Bientôt, il y a des badges qui arrivent. On va faire un espèce d'espace. Trop Donc bien, quoi. Galilée.ac, vous pouvez toujours continuer à l'utiliser. www.galilée.ac. Le petit. Ah, un petit live pour le débrief du bac. Bah, pourquoi pas, ouais. Peut-être. Hein, mais ça Peut-être, sera pas le mais même plus niveau simple. Plus simple. ça sera pas le même niveau de qualité, quoi. Ce sera peut-être avec un téléphone. Ça, ce qu'on sera. Comme Ça sera ça. peut-être juste en mode Ah, bah, un ouais, les Insta gars, live. c'était dur. Ah, j'attends, En fait, c'était dur, quoi. je vais faire un petit sondage. Fais un petit sondage. Genre, est-ce que ça vous tente un petit Insta live, quoi? C'est quoi un Insta Bah, live? c'est genre, tu fais le live, mais sur Insta. Bah, là, pour le coup, avec un Bah ouais, téléphone. on débriefe le bac. Allez, on débriefe le Allez. bac, Inch'Allah, sur un Insta live. Mais ouais, on débriefe le jour 1.
sur Insta. Bah, je propose Insta et les autres. Ça marche. Je sais pas si on va faire un petit sondage, Ça peut être quoi? C'est TikTok aussi? On peut faire des rien, David. On est des vieux, hein. Oui. Désolé, on savait qu'on ne maîtrise pas tout ça. Mais non, on se le fait sur Insta, c'est bien Insta. Parce qu'en plus, Insta, on ne comprend pas du tout comment ça marche, nous. Franchement, un coup, on avait plein d'abonnés, un coup, on n'en a plus. Instagram, c'est très bizarre. Coup, si vous savez comment ça marche. Ouais, franchement, on ne comprend pas trop. On a pris des abonnés comme ça, et puis plus du tout maintenant. Je présente le canidé le plus raffiné de tant qu'à faire. Toute l'histoire des canidés. Hein. Snatch. Faites le week-end prochain sur YouTube. Benjamin, j'arrive un peu en retard, mais est-ce que vous savez? Il y a un mec, la Famax 11. J'arrive un peu en retard. Mais si possible, comment fait-on pour démontrer de 350? Trop tard, la Famax, trop tard. Là, trop on arrive trop tard. Et ouais, bien sûr, c'est la commu YouTube. Hein. Ah non, les mecs sont chauds. Ah, ça va évoluer, t'inquiète pas, hein, ça va vite. Ah ouais? Allez, on s'arrête. 39 votes. Attends, mais comment c'est possible? Comment faites pour voter si vite, les gars? Bah, 70% YouTube. Ils prennent leur vote. 70% YouTube. Eh non, mec, c'est la commu YouTube, hein, bien sûr. Est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre le théorème des valeurs intermédiaires et corollaires? Ah, mais les petites fiches aussi. On les a mises. On va mettre en ligne toutes les fiches. On n'a pas mis la fiche, mais. Les gars, il faut qu'on rende l'antenne, je suis désolé. YouTube, c'est bien en vrai. YouTube, ça sera YouTube, hein. Ça sera YouTube, tant pis pour Insta. De toute façon, Insta. On teste Insta? On peut, bah là, on peut tester Insta, mais tu vois qu'il y a la commu veut YouTube. Oui, il y a 3% qui veulent TikTok. Ça n'arrivera pas, les gars. Ça n'arrivera pas. Bon, allez, c'était un plaisir. Franchement, les fiches, on les donne. Elles vont arriver sur Insta. On ne sait pas si elles vont arriver sur Insta ou sur YouTube ou sur TikTok. Là, abonnez-vous partout. Voilà, je pense que les fiches sur TikTok, ça se fait pas de ouf. Abonnez-vous partout. Des bisous. Bah ouais. Bisous, David. Est-ce qu'on dit le mot pour encourager quelqu'un avant une épreuve, mais c'est peut-être un gros mot. Donc, est-ce que YouTube va nous... Ah non, on le dit pas du coup. MERDE, ouais. MERDE à vous, les gars. Mais bon courage pour toi. Ouais, merci à toi. Ça va le faire, les gars. Merci à toi, David. C'était un plaisir de t'avoir avec toi. Vous nous taguez, dites-nous comment ça s'est passé, vos notes, vous les envoyez. Bah oui, carrément, et on se débriefe ce bac ensemble. À la fraîche. On vous aime, bisous, les copains. Allez, à plus. C'était un plaisir. Un gros plaisir. C'est le ending. Qu'est-ce qu'on fait, on danse?